Dames en heren, mesdames, messieurs, welkom, soyez les bienvenus à Touré Taxi. Welkom op het duel, het debat waarmee de verkiezingscampagne voor ons alvast echt van start kan gaan. Een debat dat vanavond volledig zal draaien om de inhoud. Dat had u van de kranten, De Tijd en L'Echo niet anders verwacht. Het wordt ook een van de weinige debatten in deze verkiezingsstrijd waar Noord en Zuid met elkaar in gesprek gaan, wat het nog wat unieker maakt dat u hier vanavond kan aanwezig zijn. Mesdames, messieurs, si le Nord et le Sud se parlent dans ce pays, il faut que les deux parties se comprennent bien, y inclus vous dans la salle. À sa fin, nous avons prévu une traduction simultanée professionnelle. Si vous êtes déjà équipé d'un casque, appuyez le 1 pour le néerlandais et le 2 pour le français. Als u de simultane vertaling gebruikt, 1 voor Nederlands en 2 voor Frans. Si vous n'avez pas encore un casque et vous en désirez un, levez la main, une hôtesse viendra vous assister. Pendant le débat, très important, les deux parties parleront leur propre langue. Monsieur Nolet français et Monsieur de Beveron néerlandais, on l'a demandé comme ça, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas parler l'autre langue nationale. Welkom trouwens ook aan al diegenen die thuis dit duel volgen via onze livestream. En voor u in de zaal zeg ik erbij dat het debat straks nog te volgen is, nog een hele tijd te herbekijken is op onze website. Dames en heren, dag na dag, 5 jaar geleden, echt dag na dag, debatteerden Paul Magnet en diezelfde Bart De Wever als vanavond op dit podium over de onderwerpen die toen de verkiezingsstrijd uitmaakten. 5 jaar later zijn de geesten gerijpt. De thema's veranderd, de geweren van schouder veranderd. Daarom brengen De Tijd en L'Echo vanavond de twee tenoren samen die allicht voor de meest tegengestelde politieke keuze staan. Jean-Marc Nolet est co-président d'Ecolo, le parti des Verts francophones, qui a, selon les sondages, le vent en poupe. Nolet est un homme politique expérimenté qui a été ministre régional wallon et ministre au sein du gouvernement de la communauté française. Ecolo est d'ailleurs le seul parti francophone à former un groupe politique commun avec les collègues flamands de Groen. Monsieur Nolet, bienvenue. Merci. Bart De Wever is allicht iets bekender over de taalgrens dan meneer Nolet, burgemeester van Antwerpen, voorzitter van de grootste Vlaamse partij N-VA. En hij zette de communautaire eisen van zijn partij de voorbije 5 jaren opzij om een economisch herstelbeleid te kunnen voeren in de regering Michel, maar trok kort voor de finish de stekker uit die regering. Welkom, meneer De Wever. Dames en heren, we debatteren vanavond over verschillende thema's. En die zullen we, om u een beetje te gidsen, telkens kort inleiden met wat elementaire statistieken en wat stemmen uit de community van De Tijd en L'Echo. U hoort en ziet vanavond op die manier onder andere de revue passeren. En dan wacht ik even. Jeroen Lemaire, medestichter en CEO van het digitale bedrijf In The Pocket en columnist voor De Tijd. Fabien Bister, chef d'entreprise de Bister L'Impérial et Région de la Banque Nationale. Stijn Baert, arbeidsmarkteconoom van de UGent en ook regelmatig te lezen in onze columnen. Jean-Jacques Cloquet, le nouveau patron de Paillery d'Aïssa et l'ancien patron de l'aéroport de Charleroi. Françoise Chombard, CEO van het chipsbedrijf Melexis en pleitbezorgster voor meer technologie in het onderwijs. Et Ayoud Assaban, jeune entrepreneur en technologie et chroniqueur à L'Echo. Dames en heren, om de avond goed te laten verlopen, wil ik u vragen respect te tonen voor de standpunten van beide partijen. Wat uiteraard niet wil zeggen dat u onbewogen naar dit debat moet luisteren. Maar laat ons misschien afspreken dat we geen schoenen richting het podium gooien. Als u wil reageren op wat gezegd wordt tijdens dit duel op sociale media, gebruik dan, als u dat wil, de hashtag DeWeverNollet. Dames en heren, misschien is het de naam DeWeverNollet van de toekomstige regering, wie weet. Om het in goede banen te leiden, dit duel, vraag ik graag uw warm applaus voor de moderatoren van vanavond, Paul Gérard en Isabel Albers. Collega's, welkom. En dan vraag ik u uiteraard een nog veel warmer en harder applaus voor de gladiatoren. Vos applaudissements encourageants pour les stars de la soirée.
Jean-Marc Nollet en Bart De Wever. Heren, welkom. Merci. Messieurs, bienvenue. Merci à vous. Jullie kennen elkaar natuurlijk van in de politiek als politieke figuren, maar kennen jullie elkaar ook persoonlijk, meneer Nollet? Non, pas vraiment. Heeft u het gsm-nummer van Bart De Wever om hem op 26 mei 's avonds te bellen? Non, je n'ai pas son numéro de gsm, mais je suis très content de le rencontrer et très content de pouvoir pour une fois discuter avec lui, parce que le jeudi au Parlement, je ne le vois pas souvent. Il est juste là pour les votes. Je suis là, et je suis là. Pour les votes, parce qu'il faut bien être là pour les votes pour pouvoir toucher le salaire. Mais autrement, après ça, je ne le vois pas au commissaire, je ne le vois pas dans le travail parlementaire. Tous les jeudis. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir échanger avec lui. Merci pour cela. Ok, meneer De Wever, in de aanloop naar dit debat heeft meneer Nollet wat hulp gekregen van Christophe Calvo, hebben we gelezen in de krant vanochtend. En die gaf hem de tip dat hij een leugendetector moest meebrengen vandaag. Dat zou van toepassing zijn, ja. Heeft u zelf ook iets in voorbereiding... Ik vrees het. Heeft u zelf ook iets in voorbereiding naar dit debat meegebracht, bepaalde tips gekregen? Want het is de eerste keer dat jullie tegenover elkaar staan. Wel, de studiedienst heeft mij een voorbereiding van 100 bladzijden afgegeven en die was gisteravond klaar. Oké, het is dus een uur en ik heb die met moeite toch eens gelezen, ja. Ja, goed. Jean-Marc Nollet, tout d'abord, bravo d'être là, parce que bon, c'est un peu bête à dire, mais rares sont les ténors francophones qui ont envie, voire qui osent venir débattre avec la NVA, avec Bart De Wever en particulier. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, OK, moi j'y vais? Oh, parce que l'Écho et le Tate me l'ont proposé, tout simplement. Vous savez, on a peu de débats, on a peu d'occasions en Belgique francophone d'avoir des débats, y compris à la télévision, avec le président d'un parti extrêmement important au nord du pays. Moi, j'ai des contacts tous les jours avec mes collègues de Groen, et d'ailleurs, ils sont là dans la salle avec mon collègue Christophe Calvo. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est très difficile. Et donc, de ce point de vue-là, je voulais féliciter aussi l'Écho et de Tate de nous avoir rassemblés. D'après moi, ce n'est pas sans lien avec le fait que vous êtes dans le même couloir. Vous travaillez dans le même bâtiment, pas loin d'ici. Yeah. C'est un peu ce que nous, on fait aussi avec les écologistes. On a un groupe commun et on a cet avantage de travailler ensemble, comme vous, à l'Écho et le Tate. Et de ce point de vue-là, je trouve ça bien. Ça peut aussi donner une autre idée que ceux qui vont dire ce soir, et je pense qu'il y en aura au moins un, ou qui vont essayer de dire ce soir que la Belgique, c'est deux démocraties. Ok, bullshit. Bon, on y reviendra. Meneer Nollet, ik ga u even onderbreken voor we met de inhoud beginnen, want we gaan het uiteraard alleen maar over inhoud hebben. Maar eventjes onder ons, vergeet u even die zaal. Bart De Wever heeft gezegd dat Jan Jambon kandidaat premier is. Ecolo en Groen heeft de wind in de zeilen. Wordt misschien volgens de peiling zelfs de grootste fractie van dit land. Si vous le dites. Staat hier een kandidaat premier? En fait, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs possibles candidats premier ministre. Parce que ce qui comptera pour nous beaucoup plus que de savoir qui, et il y en a, hein, c'est de savoir pourquoi faire. En bent-u kandidaat premier? Pas spécialement, non. Pas spécialement, parce que, je vous le redis, pour nous, le plus important sera de voir le contenu de l'accord de gouvernement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. On va, ce soir, parler du contenu. J'espère qu'on va éviter les caricatures, les choses habituelles, comme les choses sur les fruits, les pamplemousses, les salades, tout ça. Laissons ça de côté, monsieur De Wever. Commençons un débat sur le contenu, sur le fond, tel qu'on nous l'a proposé. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire tous les deux. Rentrons dans le vif du sujet à présent avec quelques chiffres pour commencer, parce que au Tate et à l'Écho, on aime bien les chiffres. Frédéric. Dames en heren, eerste thema voor dit duel vanavond is ecologie en economie. De vraag is het een en of een of? Een paar kerncijfers toch om het debat te duiden. 45%. Met zoveel moeten de CO2-emissies teruggedrongen worden tegen 2030 om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. 2030, dat is binnen 11 jaar. 62% op 12 jaar tijd zijn de elektriciteitsprijzen met 62% gestegen voor de Belgische gezinnen. Voor de ondernemingen was dat gemiddeld 24%.
En de fiscale opbrengsten, als laatste cijfer die we jaarlijks mislopen door het Hunst-regime voor salariswagens, lopen op volgens het planbureau tot 1,9 miljard euro. Over economie en ecologie hebben we ook de mening gevraagd van onze meest prominente lezers. Ik persoonlijk vind dat die klimaatprotesten dat die, op het juiste moment komen, misschien zelfs een beetje te laat. Ik kijk er met bewondering naar. Ik vind dat het belangrijk is dat het, het debat voortgaat. La vraie solution de mobilité, elle est au travers du progrès technologique. Parking intelligent, signalisation intelligent pour fluidifier le trafic. Parce qu'il y a une réalité, c'est que les gens ne laisseront pas leur voiture, en tout cas à moyen terme, voire à long terme, à la maison. We kunnen het hebben over intenties, we kunnen het hebben over partijprogramma's, verklaringen, klimaatplannen enzovoort. Maar wat gebeurt er werkelijk? Welke handelingen worden er ook echt gesteld? En dan denk ik dat we, als we moeten kijken naar de voorbije 5 jaar, denk dat er heel weinig gebeurd is ten gunste van het klimaat. Vouloir sortir trop rapidement du nucléaire sans être sûr que derrière il y a des solutions qui garantissent aux citoyens des coûts énergétiques identiques, c'est dangereux. Voilà, vous avez entendu, Jeroen Lemaire, ces 5 dernières années, on n'a pas fait grand-chose en faveur du climat. Bart De Wever, à la NVA, on ne parle pas vraiment d'écologie, mais d'éco-réalisme. Qu'est-ce que c'est l'éco-réalisme ? Un prétexte pour ne pas faire de l'écologie une priorité ? Non, pas du tout. Ik denk dat wij, zoals iedereen, onderkennen dat er een klimaatproblematiek bestaat, dat die moet aangepakt worden. In die zin is dat klimaatprotest inderdaad wel gekomen omdat het een urgentie creëert rond dingen die op lange termijn moeten gebeuren. En dat is in de politiek altijd het moeilijkste om lange termijn beleid uit te stippelen. Maar natuurlijk, het risico is dat onder het mom van die urgentie allerlei foute beslissingen worden genomen. Het ecorealisme dicteert natuurlijk dat in eerste instantie we moeten beseffen dat het klimaatprobleem niet in Europa kan opgelost worden. Het zal opgelost worden in China, Afrika en India, of het zal helemaal niet opgelost worden. Wij in Europa hebben een voorbeeldrol, die kunnen wij zeker spelen, maar dan zullen wij het precaire evenwicht tussen de ecologische transitie enerzijds en de competitiviteit van onze bedrijven anderzijds wel in de gaten moeten houden. Als ik de programma's lees van Ecolo in Groen, dan negeert men dit soort economische wetmatigheden volledig. Dat is inderdaad het beeld, ik mocht het niet zeggen, dus ik zal het nu onmiddellijk zeggen, van de watermeloen. Het is groen in zijn verschijning, het is bijzonder rood in zijn inhoud, het is herverdelend op de verkeerde manier, het is in grote mate gericht tegen de Vlaamse context van mensen die in energieintensieve bedrijven werken, maakindustrie, ArcelorMittal, dat zullen de grote slachtoffers zijn als men die maatregelen doorvoert. En dat is niet verstandig, niet voor onze economie, maar ook niet voor de ecologie, want daarmee is niks opgelost. Dus het zijn in die zin belangrijke verkiezingen. We gaan fundamentele keuzes moeten maken. Est-ce que ça veut dire qu'on doit rien faire au niveau belge, du coup, si ça se joue à un autre niveau? Ja, toch wel. Maar daar, als je het ecorealisme, wat dat betreft, als je gaat kijken naar beleid, dicteert, dat je moet geloven in innovatie en economische groei, zoals wij dat sinds de industriële revolutie altijd hebben gedaan. Het is niet de eerste energiecrisis die we meemaken, het is de zoveelste. Elke keer heeft men dat met grote apocalyptische gedachten omgeven. Elke generatie is ermee grootgebracht, met het idee de resources zijn bijna op, lees het rapport van Rome. Men heeft elke keer het probleem een beetje overschat en vooral de menselijke vernuftigheid onderschat. En wat mij stoort in die klimaatbetogingen is dat vaak de boventoon erin is van geweldig pessimisme. Het beste ligt achter ons, de generaties voor ons hebben alles verknoeid. Dat is objectief niet waar. En we moeten nu onze economie en onze manier van leven gaan afbouwen. En dat wordt bijna een religieus dogma. En ik denk als we daar heel veel geld en energie aan gaan verspillen, dat net dat geld en die energie dat we dan nodig hebben om die oplossingen uit te dokteren die het voor de hele wereld zouden kunnen oplossen, niet voor de uitstoot die... Wij doen de uitstoot van China op 3 dagen. Ja, okay. 3 dagen. Dus wij gaan het niet oplossen, tenzij dat wij onze taboes laten vallen over kernenergie, over wij innovatie, over biotech, genetisch gemanipuleerde maar, gewassen. Alle dingen die in de groene ban zijn geslagen, daar liggen net de oplossingen. Eén ding heb ik onthouden. Hij zei, Ecolo en Groen, u negeert de economische wetmatigheden. Non. Allez, si aujourd'hui on veut trouver des solutions, et c'est notre position, on ne peut pas opposer l'économie et l'écologie. D'ailleurs, le développement économique s'est toujours appuyé sur des ressources naturelles. On ne peut pas imaginer demain qu'il en soit autrement. On utilise les ressources que produit la nature pour réaliser aujourd'hui des trains, demain des maisons isolées et après-demain encore d'autres innovations technologiques. Sur ce point, j'ai aucun souci pour dire qu'effectivement, la technologie va encore nous amener une partie des solutions. Mais ça ne suffira pas.
Et c'est peut-être là ma différence et le premier point que je voulais ici identifier. Si on regarde la situation telle qu'elle est, il y a deux enjeux environnementaux. Un, la question des ressources. Si tout le monde consommait, et notamment les Chinois dont vous parlez tant, si tout le monde consommait comme consomme aujourd'hui un Européen moyen, il faudrait les ressources de quatre planètes. Quatre planètes, on n'en a qu'une. Et l'autre problème, c'est que pour que la planète reste vivable, il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, maximum 2. Et ça, je pense que vous êtes d'accord. Vous avez signé l'accord de Paris. Or, si on regarde la situation d'aujourd'hui, où nous en sommes aujourd'hui, l'ensemble des engagements pris par l'ensemble des pays, la Belgique, comme la Chine, comme les États-Unis, nous guident vers 3,7 degrés Celsius. 3,7. Et si tous les pays faisaient comme la Belgique, ce serait à peine mieux. À peine mieux. On serait à 3,2, 3,3 degrés Celsius. On serait largement au-dessus des 2 degrés. Alors, les 2 degrés, comme Vladimir Poutine, hein, vous pourriez dire ça, hein, bah, ça fait plaisir, s'il fait 2 degrés de plus, on viendrait davantage encore à la côte, ça ferait du bien. Oui, sauf que, au-delà de 2 degrés Celsius, on ne maîtrise plus rien. Et c'est ça le problème. En tout cas, si on suit ce que nous dit le GIEC, si on suit ce que nous dit le consensus scientifique, et je le redis, je suis heureux, M. De Wever n'a pas remis en question l'accord de Paris, puisqu'il l'a signé en étant membre du gouvernement, en tout cas son parti. Et donc, ces 2 degrés, aujourd'hui, on constate qu'on est à 3,2, 3,7. Il y a un problème. La question, c'est que faisons-nous ? Est-ce qu'on laisse tomber ? La question n'est plus de savoir si on peut laisser tomber. Non, on doit agir. Que faisons-nous ? C'est le cœur du débat. Mais Jean-Marc Tollet, vous ne voulez pas tout changer un peu trop vite ? C'est un peu ce que sous-entend Bart De Wever. Attendez, j'ai encore rien dit sur qu'est-ce qu'on voulait changer. Vous me dites que je veux changer trop vite. J'essaie d'abord de poser le débat, de poser le constat. Est-ce que nous voulons... Non, mais vous signalez que simplement, il faut aller plus vite, qu'on n'est pas dans les clous de ce qu'on a prévu et que donc, il faut enclencher la machine. Attendez, on est aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, avril 2019. Regardons la situation, par exemple, de l'entité Flandre. Il y a un rapport très intéressant qui vient d'être publié de la Vlaams Overheid, hein, l'autorité flamande, qui nous dit où en est la Flandre sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif, il n'est pas pour dans 10 ans, hein, il est pour dans un an. L'objectif, c'est pour 2020. Où en est la Flandre par rapport à son objectif, qu'elle s'est elle-même assigné, de moins 15,7%. À un an de l'échéance, l'autorité flamande nous dit qu'en 2020, la Flandre ne sera qu'à moins 4,7%. Il y a un énorme problème. C'est pire que les États-Unis. C'est pire que la politique de Trump. Regarde, meneer De Wever, daar even ça, c'est la situation aujourd'hui. Donc, il y a effectivement une certaine urgence. C'est ça que je voulais dire, et je termine par là, parce qu'il n'y a plus qu'un an pour atteindre cet objectif. C'est quand même un vrai problème. U heeft te weinig gedaan. Vlaanderen heeft te weinig gedaan aan het klimaat. We hebben het ook in het filmpje gehoord daarnet. Klopt die vaststelling? Een aantal uitgangspunten die ik wel wil betwisten. Het idee dat wij zonder energie en resources gaan vallen, dat is zo oud als de industriële revolutie zelf. Feitelijk zijn er nog nooit zoveel resources ter beschikking geweest en in beeld. De innovatie nog niet eens meegerekend, waar we toch op zullen moeten rekenen. Want oftewel zal die het oplossen of het wordt niet opgelost. Wat wij ook doen in Vlaanderen, hè, want we zijn maar een speldenkop van dit probleem. Het Vlaams Energie- en Klimaatplan dat heeft meer dan 100 maatregelen voortgebracht. Maar we moeten natuurlijk toegeven, het is niet zo eenvoudig om in een zeer densbevolkt gebied, waar gelukkig nog een maritiem industriële cluster is, waar nog maakindustrie is, om effectief die CO2-reducties te doen. Ik denk dat we daar wel op de juiste weg zijn. Ik denk dat we met behoud van de kernenergie, de jongste reactoren, met meer budgetten voor innovatie en met een intensifiering van het beleid zoals we het nu voeren, tegen 2030 reducties nog kunnen maken. Waar ik niet geloof, is dat die 55% die men nu in een klimaatwet en eigenlijk in de grondwet wil schrijven, dat dat realistisch is. Ik geloof dat niet. Ik denk ook niet dat de grondwet daarvoor bedoeld is. Dat is alsof je een koopcontract van een woning tekent, waarvan niemand weet of je ze kan bouwen, niemand weet hoeveel ze zal kosten, maar ze vervolgens wel moet worden betaald. En dan het rondje Zwarte Pieten begint, wie die economische krimp eigenlijk precies kan absorberen. Maar daar komt het eigenlijk op neer. Men wil krimpen, hè. Men wil de welvaart en de economie afbouwen. Als ik het woord tax impôt in het programma van Ecolo opzoek met een woord, word search, dan vind ik dat 50 keer. En zelden in een context die ik prettig vind. Ik ben altijd in een context waar men ja, de grote vervuilers wil belasten, maar dat zijn dan de properste bedrijven van de wereld. ArcelorMittal, properste staal van de wereld. Ja, dat bedrijf gaat men kapot belasten. Hè.
Als ik hoor zeggen, geen gratis emissierechten meer. Zeg dan dag met het handje tegen heel de chemische cluster in Antwerpen. Misschien dat men dat in Wallonië niet erg vindt, maar ik vind dat zeer erg. En ik ga dat niet laten gebeuren om aan het einde van de rit vast te stellen dat er aan het ecologisch probleem ook niks opgelost zal zijn. Hè? Want die bedrijven zullen wel elders in de wereld verschijnen, maar ze zullen wellicht niet properder zijn. Bart de Wever, une question. On va évidemment revenir sur les dimensions fiscales plus tard dans le débat. C'est forcément au cœur du sujet. Question plus directe. Vous voulez pas sortir du nucléaire. Vous voulez un maintien de deux centrales, voire même la construction d'une nouvelle. Si vous êtes au gouvernement fédéral prochain, on maintient les centrales nucléaires? Zonder enige twijfel. Dat zal men ook moeten doen. Men heeft in de wet voor de uitstap een aantal van onze voorwaarden moeten aanvaarden. De bevoorradingszekerheid, de prijszekerheid, energienorm voor de bedrijven die er nooit gekomen is. Ja, als er iemand gelooft dat wij binnen 7 jaar in staat zijn om 6 gig af te sluiten en dat te vervangen door wat eigenlijk? Door import, ja. Door hernieuwbare energie. We zitten nog niet op 10%. En dan zouden we op 7 jaar, hebben we daar 40 miljard aan uitgegeven aan hernieuwbare. We zitten nog niet aan 10% in België. En binnen 7 jaar zou dat dan 40% zijn. Als er iemand in deze zaal dat echt gelooft, dan moet hij zijn hand opsteken. Misschien, meneer Nolet. Ik geloof dat dus niet. Die jongste centrales moeten open blijven. U gelooft wel in een uitstap uit kernenergie en toch in het halen van die ambitieuze klimaatdoelstellingen. Zijn die twee wel combineerbaar? Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. Soyons clairs, on est face à un défi extrêmement important, mais c'est faisable, effectivement, de respecter le calendrier, de respecter le calendrier de sortie. C'est un calendrier qui a été adopté en 2003, donc qui donnait 22 années pour sortir progressivement du nucléaire. Et c'est faisable aussi parce qu'un des enjeux centraux, c'est de réduire la consommation. Parce que beaucoup des calculs de M. De Wever se font à consommation constante. Si on trouve effectivement qu'on doit atteindre l'objectif de Paris, de toute façon, nucléaire ou pas nucléaire, de toute façon, il faut réduire sa consommation. Et en réduisant la consommation, on peut à la fois atteindre les objectifs de Paris et à la fois sortir du nucléaire. J'ai un peu l'impression que dans ce débat-ci, M. De Wever veut faire avec le fossile et avec le nucléaire exactement ce qu'il reproche aux Wallons d'avoir fait avec la sidérurgie, c'est-à-dire entretenir, sur fond public évidemment, pendant encore très longtemps, un vieux système qui est dépassé, qui n'apporte aucune solution, alors que des technologies nouvelles sont là. Pourquoi ce que vous reprochez aux Wallons par rapport à la sidérurgie, vous ne voulez pas aujourd'hui vous projeter dans la modernité? Les solutions existent, les options sont sur la table, et non seulement elles sont sur la table, mais pour le citoyen, elles rapporteront. Il y a un coût d'investissement, et je vais revenir sur ce volet-là. C'est clair, il ne faut pas se cacher là-dessus. Il y a un coût à court terme, un coût d'investissement. Mais à moyen et à long terme, c'est clairement rentable. Je prends une illustration, le chauffage. Si aujourd'hui une maison est isolée, c'est 30% de la facture en moins. Pour un citoyen moyen, pour un Belge, hein, ceux qui nous regardent notamment, pas seulement ceux qui sont dans la salle, mais pour un Belge, ça représente 100 euros sur sa facture. C'est pas rien, évidemment. Alors certes, le prix unitaire de l'énergie augmente, ça c'est vrai, mais le prix de la facture globale diminue. Et c'est l'essentiel pour moi. C'est l'essentiel pour moi. Mais ça, je pense qu'en force de le reporter à plus tard, vous faites une erreur, monsieur De Wever. Vous faites une erreur parce que vous imaginez que les gens regardent seulement l'année prochaine. Ils doivent regarder à plus long terme, d'autant plus que des instruments existent, notamment un instrument qu'Ecolo Plaid propose depuis 10-20 ans avec Groen, le tiers investisseur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tiers investisseur se retrouve aujourd'hui dans les 40 propositions du MR. J'ai vu ça, j'ai lu attentivement ce que vous proposez dans le débat actuel. Et je vois qu'il y a là une possibilité, puisque d'autres que nous le proposent aussi, d'imaginer un système de financement de ce mécanisme d'isolation qui est nécessaire pour les bâtiments privés comme pour les bâtiments publics. J'aimerais bien qu'on profite du débat ici pour que M. De Wever me dise que lui aussi est d'accord avec ce genre de système qui peut à la fois permettre d'investir, mais à la fois aussi aider les citoyens qui sont en difficulté pour l'investissement. Le MR a fait ce pas, et c'est important, il faut savoir le reconnaître. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Bart De Wever. Oh, een paar reacties. Ik ga er inderdaad niet van uit dat het elektriciteitsverbruik gaat afnemen. Ik ga er vanuit dat dat dramatisch gaat toenemen. Als we de ecologische transitie moeten doen, gaan we uit de fossielen moeten treden in de loop van deze eeuw. Dat lijkt mij onvermijdelijk. En dus zal er heel veel moeten worden geëlektrificeerd, of zal men waterstof moeten maken, of zal men CCU moeten doen. Dat vergt enorm veel energie. En dat zal dan elektriciteit moeten zijn.
Dus we hebben nog veel meer elektriciteit nodig dan vandaag. Zelfs dat doen wij, de logische stappen om waar we elektriciteitsgebruik kunnen beperken, met name de isolatie van gebouwen. Daar is inderdaad nog veel winst te boeken. Daar is de evidente winst in de non-ETS te boeken, isolatie van gebouwen. En het overheidspatrimonium kan het voorbeeld geven. Dus daar ga ik mee akkoord. Maar dan nog, gaan we enorm veel elektriciteit nodig hebben. Ja. Wie gaat die produceren? Welke clean energy sources hebben we? Kernenergie is er. Dat is vandaag, ja, dat is vandaag meer dan de helft van ons elektriciteitsverbruik. Hernieuwbare is na 40 miljard overheidssubsidies geen 10%. Dat is de realiteit. Dus wij kunnen die twee jongste centrales gemakkelijk nog 10, 15, 20 jaar openhouden. Ook in het buitenland doet men dat. In de Verenigde Staten doet men dat. Dat is geen enkel probleem voor de twee jongste centrales. En niets sluit uit dat innovatie ook in die nucleaire sector ons nog verrassingen zal brengen. Rond thorium, rond kleine reactoren. Er zijn veel dingen die mogelijk zijn. De rest van de wereld, de nucleaire capaciteit, neemt toch toe. Is dat geen taboe? Ook het internationaal klimaatpanel, IPCC, in elk rapport zegt... Kernenergie is een deel van de oplossing, dat heeft men nooit gehoord, dat staat in elk rapport, meneer Nollet. En als u alle rapporten leest over die kernuitstap, allemaal, u mag ze allemaal op elkaar leggen, zelfs het meest gunstige voor de kernuitstap gaat ervan uit dat het 600 miljoen duurder is om die centrales te sluiten. Komt daar nog bij, de redenering af te maken, dat men dan stechcentrales gaat moeten bouwen. Dat kan niet anders, men zal stechcentrales moeten bouwen. Zelfs al zou men morgen... op een of andere fantasistische manier 100% hernieuwbare energie hebben, dan nog, als de zon niet schijnt en het waait niet, dan moet men stechcentrales aanzetten. Subsidies, 9 tot 12 miljard op 15 jaar looptijd voor stechcentrales die 6 miljoen ton extra CO2 in de lucht gaan stoten. Nu moet u mij de rationaliteit achter dat kernenergiestandpunt van Groen eens uitleggen, want ik snap dat gewoon niet. Dat krijg ik niet uitgelegd. Enorm veel kosten, enorm veel CO2, om wat te bereiken? Om de grootste clean energy source die de mens tot dit moment heeft, om die af te sluiten. Uit een soort fundamentalistische gedachte. Kernenergie, daar hoort je het woord kern in, dus dat is slecht. Wat meer zit er niet achter. Ja. Heel kort. De rest is bangmakerij. Heel kort, bangmakerij. U zal andere centrales, gascentrales nodig hebben in plaats van kernenergie en we gaan ons doel toch niet bereiken. Je peux être très court, pourquoi? Parce que ce qu'on a vécu au mois d'octobre laisse entendre et laisse montrer à tout le monde clairement ce qui se passe quand on veut tabler sur le nucléaire. Il y avait 7 réacteurs en Belgique. Un seul fonctionnait au moment où on en avait besoin. Ça ne vous suffit pas pour vous dire il serait peut-être temps de penser à autre chose, de se tourner vers les solutions modernes. Regardez l'Allemagne. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, vient de publier ses chiffres sur le CO2. Ils sont en diminution. L'Allemagne, comme nous le proposons, nous les Verts, sort à la fois du fossile et du nucléaire. C'est possible. Et c'est plus d'emplois. Hein. Et le charbon? C'est plus d'emplois chez et le charbon? Nous. Mais le charbon, ça diminue. Alors, ils partent de beaucoup plus haut que nous dans le charbon. Ouais. Mais je suppose, monsieur De Wever, vous ne me ferez pas l'affront de ne pas connaître les chiffres en Allemagne. Oui. Je ne vais pas devoir vous les donner. Mais vous voyez que le charbon en Allemagne est en décroissance, que le nucléaire est en décroissance et que le CO2 est en décroissance. Est-ce qu'il y a un problème en Allemagne? Non. Est-ce qu'il y a un problème chez nous? Oui. On a eu besoin de l'Allemagne. Hein. Je vois encore Charles Michel téléphoner à Angela Merkel en lui disant on a un problème au mois d'octobre parce que certains chez nous ne jurent que par le nucléaire. Ik ga u even Allez. Onderbreken. Je vous en prie. Het beste land CO2 pro capita is Frankrijk. Frankrijk, Duitsland, het is duidelijk dat jullie het niet eens zijn over het nucleaire. Het zal misschien niet het laatste zijn vanavond waarover jullie het niet eens zijn. We hadden daarnet het al eventjes over taxen en dat brengt ons naadloos bij ons tweede onderwerp. Frederik. En effet, une petite bulle d'oxygène, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que le réchauffement climatique a bel et bien commencé ici dans cette salle. Je vous signale d'ailleurs qu'on est rejoint via le live stream de 2500 spectateurs qui suivent le débat en ligne. Deuxième thème pour ce débat, jobs et argent. Quelques statistiques. 8,5 milliards d'euros est le déficit budgétaire attendu pour 2019 selon le Conseil supérieur des finances et donc le cadeau pourri du gouvernement actuel pour les gagnants des élections. Le Belge travaille effectivement en moyenne que 32,9 années. Juste pour comparer, ce chiffre s'élève à 40 ans aux Pays-Bas. Et dernier chiffre, selon la Banque nationale, 265 000 est le nombre de nouveaux jobs créés pendant la législature du gouvernement Michel I. Et à nouveau, nous avons demandé l'opinion de nos
quelques de nos lecteurs et lectrices sur ce thème. On le regarde. La question que j'ai à poser à M. De Wever et M. Nollet, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire pour que la mentalité change dans notre société afin que le travail, l'effort, le mérite, une saine ambition, une envie de faire changer le monde positivement via le travail, soit enfin reconnu à tout niveau, que ce soit socialement ou financièrement. On a créé plus de 6000 emplois à l'aéroport de Charleroi et on a été confronté à des gens, prenons l'exemple, Caterpillar s'est arrêté. Et des gens souhaitaient venir travailler et auraient pu venir travailler. Et quand ils ont comparé finalement ce qu'ils avaient en argent sans travailler et en argent en travaillant, clairement, c'était Jean-Jacques, je ne vois pas pourquoi je viendrais un week-end sur deux, me lever à 4 heures du matin. Pour un stuk kan man zich ook afvragen hoe een 55-plusser er zelf moet in geloven om langer te werken als de regering de facto signalen verspreidt waarin zij zegt, ja, eigenlijk, we zeggen dat wel, we werken tot 67, een nieuwe job vinden na 55, we zeggen dat wel. Maar eigenlijk menen we dat zelf niet zo, we geloven daar zelf niet in. Als het gaat over de loonlasten bijvoorbeeld, als het gaat over de complexiteit van de overheden waar wij moeten mee samenwerken. Dat soort dingen blijft gewoon bestaan. Meneer De Wever, laat ons beginnen met wat Jean-Jacques Loquet en Fabienne Bister zeiden. Die zeggen alle twee... Werken loont nog altijd niet genoeg in dit land. Dat was nogthans één van uw punten. Heeft u niet genoeg hervormd? Ja, ik kan nooit genoeg hervormen, maar er is toch wel iets gebeurd. Dat kan je toch niet miskennen. De taxshift met name is op die onderkant van de decile waar men begint te werken, 5, 6, 7 gericht geweest. Die hebben het grootste voordeel gedaan. De Nationale Bank wijst dat ook uit in zijn studies. Die zijn erop vooruit gegaan, netto. Het is ook goedkoper geworden om die mensen een job te geven. En er is een belangrijke creatie in de private jobmarkt geweest onder deze regering van 240.000 eenheden, wat toch niet onbelangrijk is. Het probleem blijft natuurlijk van de te lage activiteitsgraad. In Vlaanderen zitten we nu aan 75%. Langzaam maar zeker zijn we daar geraakt. Wallonië zit denk ik aan 63%, dus dat is tamelijk dramatisch. Nederland zit aan 80%. Moesten wij het Nederlandse cijfer halen, dan hadden wij geen begrotingsprobleem. Dan hadden wij nu ook een overschot, net zoals Nederland, wat mij betreft toch echt een gidsland is. Maar dan moet je natuurlijk de maatregelen nemen om die activiteitsgraad verder omhoog te krijgen. Beperken van de werkloosheid in de tijd bijvoorbeeld. En ja, het mensen, de arbeidsreserve die er nog is, die vandaag niet actief is of gewoon niet op zoek is naar werk omdat het niet loont, ja, die zal je met wortel en stok toch op die arbeidsmarkt moeten krijgen. Maar u heeft daar 5 jaar de tijd voor gehad. En daar zijn wat dat betreft denk ik nuttige dingen gebeurd. En de cijfers wijzen dat ook uit als je kijkt naar de groei van de activiteitsgraad die er toch geweest is, spijtig genoeg niet in alle landsdelen even fel, maar wel op de juiste manier en in de private sector, wat heel belangrijk is. Het is geen groei op de pof geweest, het is echte groei geweest van echte jobs. En op die weg moeten we verder gaan. Ik denk dat we opnieuw een operatie van dezelfde envergure. Vennootschapsbelasting is hervormd op een heel goede manier. De taxshift is een taxcut geworden, 8 miljard lastenverlaging, zegt Erik van Rompuy, dus het moet zeker juist zijn. Dat zijn denk ik de maatregelen van dezelfde envergure die we opnieuw moeten nemen. En ook de pensioenleeftijd verhogen, hè? Want u keek mij aan en ze zei, ja, mensen stoppen te vroeg, maar u stelde uw programma voor om die terug te verlagen naar 65 jaar. Allee, dat is toch pure science fiction. We waren het laatste OESO-land om naar 67 te gaan. Zelfs in Frankrijk hebben ze het ondertussen begrepen. Dan lees ik in het programma, we moeten onmiddellijk terug naar 65 en een 32-urenweek, alstublieft, met behoud van loon. Ja, doe dan gewoon de boeken dicht, hè. Jean-Marc Nollet, vous avez partagé la même lecture ? Pas tout à fait, non. Pas tout à fait. Il y a une chose ici avec laquelle je suis d'accord. Le taux d'activité, le taux d'emploi doit progresser. C'est pour moi effectivement un point de constat. En Belgique, à l'heure actuelle, le taux d'emploi est trop faible. Mais sur la manière de résoudre ça, je ne prends pas le même chemin. Alors c'est intéressant parce que M. De Wever a cité la question de l'âge de la pension. Et je vais vous raconter une petite anecdote, parce que lundi, un de vos collègues me téléphonait pour me demander comment je me préparais pour le débat dont il était question ce soir. Et en fait, je n'avais pas encore eu le temps de commencer, parce qu'on était dans un débat important au Parlement, excusez-moi, hein, c'est pour la loi climat. Mais c'était réglé, hein, c'est bien fini, ça n'a pas passé. Voilà. J'ai fait mon boulot dans le Parlement. Écoute, quel cynisme. Hein, quel là cynisme. Où je devais le faire, là où je devais le faire. Quel cynisme, hein. Par rapport à tous ces jeunes qui se mobilisent dans la rue, hein, par rapport à tous ceux qui sont conscients qu'il faut faire quelque chose, regardez, bouf,
Bouf. Non, ce que je veux dire ici par rapport à la pension, c'est que comme je me suis préparé, puisqu'on m'a invité à le faire, j'ai regardé la vidéo du débat de 2014. Est-ce que vous vous souvenez de la question que vous avez posée à M. De Wever en 2014? C'est à la minute... Ik heb er veel gestemd. Oui, c'est à la minute 43. M. De Wever, et si certains veulent vérifier, c'est sur YouTube, hein, donc ils peuvent regarder. M. De Wever dit que c'est « zinloos ». Tout le monde comprend. C'est insensé de vouloir prolonger la carrière jusqu'à 67 ans. Il le dit tel quel. Je vous invite à revoir ça. Vous posez la question et il répond. Et aujourd'hui, il nous dit ici, il faudrait prolonger la carrière, etc. C'était zinloos il y a 4 ans, il y a 5 ans. Entre-temps, ils l'ont fait. Ça dit long sur les promesses qu'ils peuvent tenir et ne pas tenir. Mais entre-temps, nous disons que la question est aussi un enjeu par rapport à l'emploi des jeunes. Et que sur l'emploi des jeunes, il n'y a rien qui a été fait. Je ne vais pas nier ici le tax shift. Des choses ont été faites. Mais sur la perspective, sur les créations d'emplois, sur ce qu'on veut aussi pour nos jeunes. Moi, j'ai discuté avec Jean-Jacques Cloquet. On a vu la vidéo de l'ancien CEO de l'aéroport. C'est, pour moi, un des patrons les plus exemplaires que nous ayons. Il est sur le terrain à 5 heures du matin. Il est dans son aéroport. Et on peut faire des réunions à 6 heures avec lui. Il était sur le terrain avec les gars qui travaillaient là. Et quand je discute avec lui, qu'est-ce qu'il me dit? On a un vrai problème pour les bas salaires. Pour les bas salaires. Pour ceux qui aujourd'hui viennent, mais ne touchent pas beaucoup plus quand ils travaillent par rapport au chômage. La proposition que nous formulons, et qui concerne alors en premier chef les jeunes, mais pas seulement les jeunes, les gens qui n'ont pas non plus beaucoup de diplômes au point de départ et qui peuvent en acquérir après, c'est de réduire les cotisations sociales sur les bas salaires et d'augmenter le salaire poche aussi de ceux qui travaillent avec des bas salaires. J'ose espérer que sur ce point-là, je n'aurai pas une critique caricaturale de la part de M. De Wever, parce qu'il s'agit là, pour moi, d'un enjeu essentiel pour la prochaine législature, de mettre cela comme priorité absolue. Non pas tant une réduction globale pour tout le monde, pour tous les salaires, mais de cibler les 10-15% les plus bas. Et c'est dans nos propositions que nous avons déposées au bureau du plan, puisque vous savez qu'on devait déposer des propositions au bureau du plan, nous avons chiffré et nous avons budgété. Mais ce serait intéressant de voir si réagir, on peut se rejoindre là-dessus. Mais pour alle duidelijkheid, heel duidelijk, één antwoord, één woord, met écolo. Gaat de pensioenleeftijd terug naar 65, ja of nee? Mais je le redis, moi je suis d'accord avec ce que M. De Wever a dit en 2014 et je voulais le féliciter pour ça. Ok, dat is duidelijk. Mais on peut regarder la vidéo, hein, si vous voulez, on peut faire une pause et on peut regarder la vidéo. Ik bevestig dat dat toen gezegd geweest is. Il n'y a pas de problème là-dessus. In 2014 was de effectieve uitredenleeftijd nog ver beneden de 60. En toen heb ik inderdaad gezegd, we moeten evolueren niet naar een effectieve uitreding van 67. Dat heeft geen zin en dat zal ook niet maar gebeuren. Maar het klopt wel dat u maar voor als de wij vandaag 60 hebben, nooit nu, over 67 jaar. Niemand heeft erover gesproken. Maar dit is iets wat eigenlijk toch in de lijn van de verwachtingen ligt, als elk OESO-land het u al heeft voorgedaan en zelfs Frankrijk het begrepen heeft. Ik denk dat je de pensioenleeftijd moet koppelen aan de reële levensverwachting. Als een soort index. En dan heb je er ook nooit nog maatschappelijke discussies. En dan schuif je maand per maand vooruit, per jaar, naarmate de levensverwachting vordert. Ik denk dat dat een heel mooi systeem is en dat vermijdt maatschappelijke discussies. We hebben dat veel te lang uitgesteld. Veel rode vlaggen zijn voorbij gegaan. En nu moeten we in 25 en 30 als laatste van het peloton de brug oversteken. Maar dan nog zullen de mensen niet tot 67 werken. Wat vandaag 60 is voor 65, zal tegen die tijd 364 zijn voor 66 en uiteindelijk 67. Zo zal het zijn. Maar wat die andere vraag betreft, wij zijn inderdaad nog voor loonlastenverlaging. En inderdaad, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt, moeten er nog meer poolfactoren zijn om aan het werk te gaan. De vraag is, hoe organiseer je dat en hoe financier je dat? Als ik in het programma van Ecolo lees, dat staat daarin, 14 euro per uur het minimumloon. Dat is een stijging van de loonkost van 47%. Ja, dus dat is het beste recept om heel die onderkant van die arbeidsmarkt los in de armoede te duwen. Vandaag zijn onze minimumlonen al bij de hoogste van de hele Europese Unie. U wilt er nog de helft bij doen. Dat is niet mijn recept. Ik zou wel via de personenbelasting weer op de juiste decilen mikken om werken lonender te maken. En dat gaan wij ook doen. Maar wij zeggen ook heel duidelijk, wij financieren dat door een beperking van de werkloosheid in de tijd. Na 2 jaar is het gedaan. Waar haalt Ecolo het geld? Men gaat niet alleen een vermogensbelasting invoeren voor mensen vanaf 1 miljoen, dat is nog straffer dan de PS, ook een vermogenswinstbelasting. Vermogensbelasting en vermogenswinstbelasting. Ja, ik wil wel, hè. En dat is dan maar een onderdeel van een hele tsunami van belastingen
Mensen met bedrijfswagen moeten die afgeven, dat is bij de vermindering. Dan moet je een andere auto kopen, kost u geld. Wilt je daarmee rijden, hogere taksen op brandstoffen en rekening rijden, en niet fiscaal neutraal, zoals wij dat voorstellen, maar met 1 miljard opbrengst. Heb je een eigen huis, betalen. Heb je een dividend, personenbelasting op betalen. Hè? Alle inkomsten moeten opgeteld worden. Ja, sorry, daar is geen sprake van. Dat wij er ooit mee akkoord zullen gaan. Dat is nog erger dan de PS. Geen tax shift, maar een tax rise met Ecolo. Meneer De Wever heeft daar een aantal van uw taxen in uw programma opgesomd. Er zijn maar een paar, hè? Ja, 50. Je compte 50. Je pense que la question m'était posée, mais c'est un tsunami. Meneer Nollet heeft het woord. Merci, madame. Vous avez donc pu voir la partie que M. De Wever a lue du programme, à savoir qu'effectivement, il y a un choix qui est fait de diminuer la taxation sur les bas salaires, j'en ai déjà parlé, et d'augmenter la taxation sur le grand capital. C'est une question pour nous qui est une question d'équité. 1 euro égale 1 euro. Il n'est pas normal aujourd'hui que les revenus du capital ne contribuent pas à la juste part, à l'équilibre global du budget et à la possibilité qu'on a de pouvoir financer les nécessaires réductions sociales. Mais ce n'est pas la seule mesure. Je veux dire, pour là, nous avons aussi la volonté de financer nos différentes mesures par, je l'ai dit tout à l'heure, notamment les programmes européens. En termes d'investissement, il ne s'agit pas là de changer la fiscalité, il ne s'agit pas là d'augmenter la fiscalité, mais de réfléchir aussi si les investissements ne sont pas davantage nécessaires. Mais ce qui est fait pour l'instant, ce qui est fait pour l'instant par le gouvernement est contre-productif. Et je vais juste l'expliquer par une phrase qui n'est pas de moi, une phrase qui est des économistes, et c'est Étienne de Calataille, qui n'est pas écologiste, qui le dit. L'erreur qui est faite en voulant travailler sur des salaires contraints, des salaires qui sont toujours revus à la baisse, des salaires qui ne permettent pas de suivre l'évolution du coût de la vie. L'erreur, c'est de penser qu'en fait, ces gens-là vont continuer à pouvoir consommer comme ils le font. Et faire le pari, qui était le vôtre, de dire « oui, mais on va gagner sur les exportations ». Les chiffres nous montrent aujourd'hui qu'en fait, l'augmentation des exportations est largement inférieure à la baisse de la consommation liée au fait que les salaires sont trop bas. Donc oui, nous assumons que les salaires les plus bas doivent être relevés. Ça, pour nous, il y a plusieurs manières de le faire. Et une des manières de le faire, c'est de réduire les cotisations et de réduire aussi l'impact pour les citoyens sur le salaire. Et ça, je sais très bien que nous divergeons par rapport à ça. Il y a clairement, pour nous, une priorité là-dessus et il y a un financement qui est associé par la piste... Attendez, il y a juste une question qui va m'être posée, mais je termine ma phrase. Par la piste que j'ai évoqué tout à l'heure sur les revenus du capital. Ceci dit, cette proposition particulière que Bart De Wever vient d'évoquer, cotisation de crise, vous l'appelez comme ça dans votre programme, c'est-à-dire une taxe sur les patrimoines supérieurs à 1 million d'euros, vous ne craignez pas de tuer l'esprit d'entreprise avec ce genre de mesures? Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas ce montant-là et qui ne se posent pas la question de savoir s'ils seront taxés ou pas, d'autant plus que c'est en dehors de la maison d'habitation et surtout, pour les entrepreneurs, c'est extrêmement important, c'est en dehors de l'outil de travail. Vous savez, on crie toujours sur le fait qu'il y aurait des problèmes en lien avec ça, des problèmes notamment liés au fait que les gens déménageraient. On a vu les résultats, ce n'est pas le cas en France, ce n'est pas le cas. Puisque vous prenez tout à l'heure l'exemple de la France sur le nucléaire, prenons l'autre exemple de la France. Moins de 1% de la masse fiscale a, pour l'instant, déménagé. Or, ça fait déjà maintenant, je crois, plusieurs années qu'en France, que cette situation est là. Donc, franchement, c'est souvent une image qui est utilisée, mais dans le réel, ce n'est pas le cas. Et ça pose un problème d'équité pour ceux qui restent ici, évidemment, qui, eux, doivent payer très cher, et le Belge moyen paye très cher ses impôts, alors que ceux qui ont les moyens ne contribuent pas à la hauteur de ce qu'ils devraient faire. Et c'est pour ça que nous, oui, là-dessus, on a une divergence. C'est une manière de financer qui, pour nous, est nécessaire, de telle sorte que l'impôt pour le Belge moyen puisse diminuer, puisque c'est là l'enjeu pour que les salaires puissent relever. Un millionnairstaxe om al die uitdagingen te betalen, bent u... Ja, ik heb soms de indruk als het programma van Ecolo leest dat men alle dwaasheden die men in Frankrijk al heeft geprobeerd en die daar al zijn teruggedraaid heeft, men die nu toch nog hier ook wel eens wil proberen. Macron heeft die belastingen hervormd, Italië heeft dat geprobeerd, afgevoerd, Oostenrijk heeft geprobeerd, afgevoerd, Duitsland heeft geprobeerd, afgevoerd, Denemarken heeft geprobeerd, afgevoerd. Wij zijn op dit moment het land dat op de tweede plaats staat in opbrengsten op kapitaal, hè? Dus taxen op kapitaal, tweede. Alleen Luxemburg gaat ons voor in termen BBP. Bijna 12% van ons BBP halen we taxen op kapitaal en vermogen. En we hebben heel intelligente systemen,
want we hebben niet de hoogste tarieven, er wordt veel betaald. Dat zijn de belastingen die ik graag heb. Lage tarieven, grote opbrengsten. Er bestaat zoiets als een Laffercurve. Hè. Je kunt natuurlijk zeggen, ik zie daar een mooie kip, ik zie er zo wel een paar in de zaal zitten, hè. Die denkt, daar kan ik wel een paar miljoenen uitpluimen. Maar als je de kip vraagt of de kalkoen wat hij denkt van kerstmis, dan gaat hij de zaal heel snel verlaten. En ik weet niet of je nog veel pluimen zult kunnen rapen. Hè. Okay. Dat zijn de... Allee, als je dat programma leest, mogen we gratis naar de huisarts gaan. Krijgen allemaal 1500 euro pensioen, zonder voorwaarden. Gewerkt, niet gewerkt, gelijkstelde periode, geen woorden. Deel maar uit. En een hoger minimumloon. En minder belastingen. Wie gaat dat allemaal betalen? Ja, dat is een mysterieuze groep rijken die dan ongelooflijke belastingen zal moeten betalen. Maar als je gaat doorlezen in het programma, kom je er wel eens. Wie dat zal betalen? Iedereen die een huis bezit, dat zijn Vlamingen. Die met twee gaan werken, dat zijn overwegend Vlamingen. Bedrijfswagens, dat zijn overwegend Vlamingen. Energieintensieve bedrijven, dat zijn overwegend in Vlaanderen. Ik begrijp wel vanuit welke SP dat jij je programma hebt gelezen. Herverdelen, dat is plezant. Als je aan de kant staat van degene die het geld ontvangt, iets minder aangenaam van degene die moet gaan werken om dat op te brengen. Meneer De Wever, mag ik toch nog even... Meneer Nollet deed het daarnet al. Naar 5 jaar geleden, en het zal de laatste keer zijn, naar 5 jaar geleden verwijzen toen we hier stonden met hier Paul Magnet. Toen zei u, show me the money tegen Paul Magnet. Ik was erop aan het wachten. Voilà. Hier is hem dan. Show me the money. Hij is meegegaan, maar u daagde Paul Magnet en de coalitie toen wel uit om te zeggen van kijk, al die begrotingstekorten, dat moet gedaan zijn. Wij gaan de paal aan perk aanstellen. En nu vragen wij u, show us the money. Waar is dat begrotingsevenwicht? 8,5 miljard euro tekort voor de volgende regering. Dat is een projectie, hè? Dus wat we weten, is het laatste tekort. Maar ook 2018, 2017. Geef me nog een kans. We zijn begonnen met 3,1. Vorig jaar was het 0,7, hadden we 3 miljard tekort. Nu zegt de Hoge Raad, we gaan naar 8 miljard tekort. Maar de Hoge Raad heeft vorig jaar ook ongeveer het dubbel voorspeld dan wat er uiteindelijk uit de bus gekomen is. Dus ik zou het toch afwachten. Wat ik wel vrees, is dat het inderdaad dit jaar een stukje zal ontsporen, omdat een aantal maatregelen, degressiviteit van de werkloosheid, afbouw van het SWT, vanuit de regering niet zijn doorgevoerd. Ik zal niet meer zeggen, maar ze zijn niet doorgevoerd. U had er ook kunnen inblijven in die modellen in van die de regering, Hoge Raad. Ja, maar ik denk niet dat dat het verschil had gemaakt. Ik heb begin vorig jaar tot mijn spijt al vastgesteld dat de dash eruit was en ik heb sindsdien niet veel redenen gehad om daarop terug te komen. Het is met name de moedige hervormingen van in het begin, de taxheft, de vennootschapsbelasting, pensioenleeftijd, nog een aantal andere nuttige hervormingen die er geweest zijn, dat ik toch zag de laatste 2 jaar dat die er niet meer zaten aan te komen, dat er moeizame akkoorden werden gesloten en dan vooral ter hoogte van werk niet werden uitgevoerd. En die modellen van de Hoge Raad voor Financiën, ik heb daar geen enkel moeite mee, maar die rekenen heel conservatief op aanbodpolitiek. Dat is eigenlijk constant de strijd geweest van de regering die aanbodmaatregelen heeft genomen, gezegd dat zal budgetair een effect hebben. Hoge Raad en anderen die zeggen nee, het tekort gaat uit de hand lopen. De waarheid lag toch altijd wel in het midden. Maar we zijn, ik rond af van 3,1 naar 0,7 gaan. We zullen zien waar we dit jaar eindigen. Maar er is wel 8 miljard lasten verlaagd. Ook dat stelt de Nationale Bank vast. 2% van het overheidsbeslag is eraf. We naderen de magische grens van de 50. We moeten daar absoluut onder. Hè. Ik vind het niet ethisch dat je boven de 50 blijft. We moeten daaronder. We zijn daar op de juiste weg. De sociale uitgaven zijn 3 miljard per jaar gestegen. We krijgen de mokerslag van de vergrijzing. Dat is 7 miljard geaccumuleerd deze legislatuur. Veel meer dan vorige legislatuur. Maar dat volgende wist legislatuur, u allemaal. Volgende legislatuur zal het 11 miljard zijn. Ja, dat wisten we allemaal. Maar als je die optelsom maakt, hadden wij in evenwicht kunnen zijn. Ja, we hadden in evenwicht kunnen zijn. We hadden zelfs overschot kunnen hebben als we geen lastenverlagingen hadden doorgevoerd. Dus wij hebben bepaalde keuzes in zo'n coalitie waar het niet altijd roze geur en maneschijn is. Dat is een les die wij wel geleerd hebben. Het sociaal-economisch ambitieniveau moet hoger de volgende keer van een centrumrechtse regering. Anders kom je er niet. Op een gegeven moment moet je keuzes maken welke darling je vasthoudt en welke je loslaat. Wij hebben die lastenverlaging vastgehouden met onze twee handen. En dan hebben we het begrotingsevenwicht inderdaad moeten loslaten. Dat is waar. Maar zeggen dat er een totaal onverdienstelijk parcours is geleden op vlak van begroting is ook niet juist. We hebben een hele lage rente, maar die verdienen wij ook. We hebben de balans van Dexia afgebouwd, 250 miljard naar 100 miljard. Ik vind dat dat onderbelicht is. Hoe belangrijk dit is om de spread met Duitsland, waar we beter zitten dan Frankrijk, om die te kunnen behouden. Dus ik vind wel dat ook op budgetair vlak dat er verdienstelijk werk is geleverd. Maar de volgende regering zal opnieuw met een hervormingsagenda geconfronteerd worden om zeker een aantal kostendeltas van sociale uitgaven om die samen te drukken. En het drama is, hoe langer je wacht, hoe pijnlijker dat die hervormingen zijn. Dus dat geef ik toe. Dus zullen we opnieuw mee moeten beginnen in hopelijk een nieuwe, sterke centrumrechtse regering. Meneer Nollet, de begroting. C'est quand même...
assez impressionnant de voir comment M. De Wever essaye de se justifier. Soyons clairs, je l'ai déjà démontré, par rapport à la pension, la crédibilité de sa parole ne tient plus. Mais aujourd'hui, sur l'autre point qui était important, à savoir l'équilibre budgétaire, hein, vous visiez un équilibre budgétaire en 2018. En 2018, c'était votre propos. Mm-hmm. Juste, hein. En quelle année l'équilibre budgétaire, le Conseil supérieur des finances nous dit que ce sera 2021 ou 2022. Vous ne faites pas mieux que les socialistes. Hein. Quelle est aujourd'hui la crédibilité de votre parole en matière si pour vous, c'était une priorité, faites-le. Mais ce que vous avez fait, ce n'est pas du tout ce que vous avez dit. Vous avez dit, on va assainir. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait souffrir. Ça, oui. Les gens ont payé ça. Le saut d'index, les accises qui ont augmenté, les difficultés qu'ils ont aujourd'hui, tout ça par les mesures qui ont été prises par le gouvernement, OK, ça, ils l'ont. Ils l'ont en pleine face, l'assainissement. Mais par contre, le volet équilibre budgétaire, ils ne l'ont pas. C'est un peu les recettes d'assainissement à la Thatcher avec un équilibre à la Mato. Hein. Mais les investissements écolo-grounes, ça, on ne les a pas. Non, monsieur De Wever, je sais bien que ça peut faire mal. Je sais bien que c'est votre crédibilité qui est en jeu. La parole que vous avez donnée il y a 5 ans, elle ne tient plus aujourd'hui. Alors, quelle est la crédibilité de ce que vous donnez pour l'avenir? C'est là que je vous interroge. Moi, je vous dis, OK, la question de l'équilibre budgétaire est une question importante. Mais face aux défis qui sont devant nous, notamment et principalement la question du dérèglement climatique, il faudra investir. Il faudra investir. Si vous nous dites, on commencera par de nouveau assainir, de nouveau faire mal aux gens, ça ne marchera jamais. Maar gaat u dan de begrotingstekorten laten oplopen? Gaat met Ecolo die tocht naar het begrotingsevenwicht dat er ooit zou moeten komen, gaat u dan kiezen voor een politiek waar de tekorten terug oplopen? Je regarde les chiffres, on ne pourrait pas faire pire qu'eux. De toute façon, dans la perspective, ils se retrouvent exactement dans la même situation à la fin que ce qu'ils étaient au début. Donc on ne pourrait pas faire pire qu'eux. Mais ce que moi je pense, c'est qu'il faut pouvoir distinguer... Mais wat wil Ecolo? Eh bien, je l'explique. Ce que moi je pense, c'est qu'il faut pouvoir distinguer les dépenses, et notamment ce qui a été fait ici, des investissements nécessaires. Et on sait qu'au sein de l'Europe, il y a justement des débats pour l'instant sur ce volet-là, y compris le président français le porte. La Belgique, pour l'instant, n'ose pas trop. Ce que nous disons, c'est qu'il faut être très dur dans le critère de choix d'investissement nécessaire. Il faut se tourner vers les investissements nécessaires, notamment en mobilité durable, notamment, je l'ai dit, pour l'isolation. Et si ça, ça passe le cap, alors, effectivement, on peut considérer qu'il ne s'agit pas de dépenses à prendre en considération dans la norme des 3%, mais d'investissement. Si jamais c'est pour y mettre tout et n'importe quoi, alors autant ne pas le faire, parce qu'on se retrouvera dans la même situation qu'ici. Bien, messieurs, je vous propose de passer à présent au troisième thème de ce débat. Vous vouliez ajouter quelque chose, Bart De Wever? Ik wou me toch eens verdedigen tegen die zogeheten sociale horror. We hebben de sociale media met 11-16% verhoogd. Hè. De leeflonen, de laagste pensioenen, het gewaarborgd inkomen voor ouderen. 11-16% is erbij gekomen. 100% van de welvaartsenveloppen besteed. Meer dan de vorige regering heeft gedaan. Als u kijkt naar de zogeheten Gini-index, die de ongelijkheid meet, dan ziet u dat die in dit land zo mogelijk is afgenomen. En dat in elke statistiek die ik ken, wij in de top 3 staan van de meest herverdelende landen van de wereld. Waar is die sociale horror? Ik heb die niet gezien. En ik wil mij gerust verantwoorden voor mijn resultaat. 2% van het overheidsbeslag, personenbelasting verminderd, vennootschapsbelasting hervormd. Het budget is nog niet in evenwicht akkoord. Vele andere dingen zijn goed hervormd. Wilt u zich verantwoorden voor waar u bestuurd hebt? U hebt ook iets nagelaten. U hebt Brussel bestuurd. Tussen 2004 en 2014. 10 jaar aan een stuk. Jeugdwerkloosheid, meneer Nollet. 19% naar 39%. Het aantal leefloners hebt u laten exploderen. U hebt er meer in Brussel nu dan wij in Vlaanderen in zijn geheel. Dat is de legacy die u hebt nagelaten aan Brussel. Dat is uw legacy die u hebt nagelaten. Het aantal faillissementen per jaar. Het aantal faillissementen in Brussel toen u begon, 1300. Toen u ermee stopte, 2200. Ik wil graag een moment mag die drie. U mag die drie. Uw laatste zin. Jeugdwerkloosheid, faillissementen, leefloners. U hebt 10 jaar Brussel bestuurd. Ik heb 6 jaar Antwerpen bestuurd. Leg de gegevens eens naast elkaar. Leg ze naast elkaar. The proof of the pudding lies in the eating. Maar De Wever. Brussel. Permet juste que ça se calme un peu, puisque M. De Wever semble particulièrement nerveux. Effectivement, en matière de bonne gestion, je ne crois pas qu'il ait beaucoup de leçons à nous donner, et son parti non plus. Quand on regarde les chiffres qui sont parus ce matin,
de la lutte contre la fraude fiscale. Oui, mais c'était sur Bruxelles. Oui, je sais bien. Mais moi, je me permets aussi d'avancer certains points que lui préfère ne pas évoquer. Hein. Si vous me permettez de le dire, les chiffres dans la lutte contre la fraude fiscale n'ont jamais été aussi bas que ceux des résultats de M. Van Overfeld. Pendant 4 ans, il a fait illusion. Il a parlé des recettes prévisibles, mais les chiffres sont tombés aujourd'hui. 253 millions. Votre ministre ramène moins au budget de l'État que ce que les journalistes, par le travail sur le LeaksLeaks, ont ramené eux-mêmes, 600 millions d'euros. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit problème en cette matière? Je pense que si on veut être crédible par rapport à la hootbusture dont vous parliez, il faut aussi se dire que le ministre des Finances n'a pas fait le job. Et ça, c'est aussi un point dans l'équilibre budgétaire qui est extrêmement important. Okay. Pour les gens qui, eux, sont en difficulté. Et ça, M. De Wever, les chiffres sont aujourd'hui rendus publics. Il n'y a pas de problème. On peut les vérifier, on peut les contredire. Oui, on peut les vérifier. Antwoord mais vérifiez-le. Eerst heel even kort op Brussel. Goed bestuur in Brussel. Daar zat u mee in het bestuur. En dat was niet wat het moest zijn. In het bestuur in Brussel? Daar zat u... Daar heeft u mee J'ai fait le bilan de 10 ans d'écolo à Bruxelles. 10 oui, ans. Oui, mais je veux dire, les 5 dernières années, nous n'étions pas au gouvernement à Bruxelles. On peut faire les 10 ans, on peut faire les 20 ans. Ce que moi, je vais vous dire par rapport à Bruxelles, c'est que pour vous, Bruxelles n'existe pas. J'ai regardé votre programme. J'ai regardé le programme institutionnel. On voit 2 entités, Bruxelles n'existe pas. Et maintenant, vous viendrez vous inquiéter de Bruxelles et de ce qui a été fait à Bruxelles il y a 10 ans, franchement. Bon, franchement. Ik heb het bilan gemaakt van 10 jaar ecolo-bestuur. In 2009 bent u Wallonië gaan besturen. U moet de curve van de economische groei in Wallonië eens volgen. Vanaf het moment dat u in de regering komt, dat ik weet dat dat pijnlijk is. We moeten die curve eens kijken. Croissance economique en het verschil met Vlaanderen. Je ziet de delta zo opengaan. Dat is als al die prachtige maatregelen van links worden uitgewerkt, die zo fantastisch klinken. Ze werken niet. Ze werken niet. Sorry. U maakt de mensen arm. Sorry. Zo hebben de mensen er niks aan. Als we door elkaar spreken. Dus ik ga jullie eventjes onderbreken. En ce qui nous permet de passer avec quelques minutes de retard après, c'est un partout balle au centre. Un autre troisième thème de ce débat, Frédéric. Goed, ik kom even tussen, want ik zie dat jullie steeds dichter naar elkaar groeien. Daarom gaan we verder met een thema waarover jullie het zonder twijfel eens zijn, namelijk migratie. 3, zelfs 4 statistieken dit keer. 25.000 is het eerste cijfer. 25.000 mensen doen in België jaarlijks een asielaanvraag. 14.000 daarvan krijgen geen erkenning als vluchteling. Diezelfde 14.000, minstens 14.000 mensen, zijn sinds 2015 naar schatting verdronken op de Middellandse Zee op weg naar Europa. 184 is het aantal verschillende nationaliteiten dat in Brussel leeft, waarmee het een van de meest cosmopolitische steden ter wereld is. En tenslotte, 52% van de mensen die in België wonen, maar er niet zijn geboren, werkt. Dat is van alle Europese landen het allerslechtste cijfer. Ook over migratie vroegen we de mening van onze meest prominente lezers. Mon grand-père est venu il y a 60 ans ici pour travailler dans les mines. Et il était illettré. Ma grand-mère était illettrée également. Mes grands-parents ont eu des enfants qui ont tous créé leur propre entreprise et qui emploient des gens. Et leurs enfants, nous, la deuxième génération, nous avons tous des diplômes. Moi, j'ai ma sœur qui est docteur en biologie, l'autre qui est pharmacienne, moi qui ai fait Solvay. Et on contribue à l'essor de la Belgique à petite échelle, évidemment. Et mon cas est loin d'être exceptionnel, en fait. In Gent alleen is er een rijke Turkse gemeenschap van tienduizenden mensen van Turkse komaf of van Turkse nationaliteit. En die zijn hoegenaamd niet vertegenwoordigd in mijn sector. Uiteindelijk is het met migratie zoals met veel andere dingen. Je oogst wat je zaait. En als je geen migratiebeleid op poten zet, dat complementair is met je arbeidsmarkt, ja, dan zullen de resultaten daar ook naar zijn. Ça peut mener à une forme de racisme. La sensation que, ou l'impression que peut-être on vient profiter de notre argent. Moi, je pose la question, est-ce que ce ne serait pas en partie une solution, puisqu'en Belgique, on a beaucoup de mal à avoir des gens qui veulent vraiment travailler et mouiller leur chemise au boulot. Voilà, vous avez entendu Ayoub Assaban, c'est l'histoire d'une migration positive, Bart De Wever. Avec la NVA, avec vous, avec Théo Franck, on a un peu l'impression que la migration, c'est toujours un grand problème. Est-ce que vous n'êtes pas, finalement, crispé, trop négatif sur ce thème important, la migration?
We zijn eigenlijk een pro-migratiepartij. Vergis u niet. Hè. Migratie is een heel natuurlijk menselijk gegeven. Alleen in een complexe 21e samenleving en economie moet je dat wel zeer goed organiseren. Hè. Het idee dat je gewoon kon aankomen en de American Dream kon beleven, je mouw kon oprollen en de sociale mobiliteit vanzelf verliep, dat is totaal voorbij. Wij moeten migratie goed controleren, contingenteren. We moeten exact weten hoeveel mensen er komen, wie dat precies zijn en in welke mate wij een gezonde mix kunnen maken tussen actieve migratie, met een arbeidsperspectief, en de passieve migratie die je er altijd voor een deel moet bijnemen. Op dit moment in dit land zijn we de slechtste leerlingen van heel Europa. Niet 1 op 4 van de migranten komt naar hier om te werken of te studeren. Die 75% anderen komen via passieve kanalen. Dat is dan vooral asiel, dat is een massamigratiesysteem geworden. Zo is dat nooit bedoeld. En Europa had dat nooit mogen toestaan. Dat zijn enorme vergissingen die echt een bom hebben gelegd onder de Europese samenlevingen. En ook electoraal. En die zorgen voor opstoten van ja, het rechtspopulisme in heel Europa. Dat zijn dramatische vergissingen geweest. De gezinshereniging, de volgmigratie die daarna komt, is eigenlijk ook zeer moeilijk te integreren op je arbeidsmarkt. Je moet een beetje realistisch zijn. Als migratie een verhaal is van vrije inloop, en dan moet je er het beste maar van maken met de mensen die dan toevallig komen. Je weet niet hoeveel, je weet niet van waar, je weet niet uit welke cultuur, je weet niet met welke opleiding. Maar je moet ze allemaal wel inpassen. Ja, dat lukt niet. En de activiteitsgraad van niet-Europese migranten die is in dit land dramatisch laag. In Vlaanderen is dat de helft en een beetje, 52. In Wallonië 42, dat is ongeveer het laagste van heel Europa. De meeste asielzoekers die erkend worden, vertrekken trouwens uit Wallonië. 51% die eraan komt, gaat vervolgens naar Brussel of Vlaanderen wonen. Dat zal wel geen toeval zijn in de hoop in die Noordwest-Europese steden van een toekomst te vinden. Maar die aantallen zijn zo groot en die druk is zo groot, ja, dat dat een heel groot ongenoegen veroorzaakt. Die sociaal-economisch geen goede zaak en ook cultureel veroorzaakt dat spanningen. Want dat zijn mensen die uit landen komen, die natuurlijk een andere cultuur hebben en die door de aantallen opvattingen binnenbrengen over religie, over man en vrouw, over groep en individu, over ouder en kind, die helemaal de onzin zijn. En de vraag is, als ze met zoveel zijn, het is zoveel tegelijk, hoe kan je die nog inpassen? Hè? Laatste beeld, het is een beetje als mayonaise. Nee, als je daar olie bij kapt, moet je heel veel mixen en heel geleidelijk kappen. Als je daar een hele potte olie in kapt en je kan nauwelijks nog mixen, ja, dan is het resultaat niet meer tevreden. En dat is wat we met migratie nu hebben meegemaakt. Les chiffres sont si importants que vous le signalez. On vient de voir 14 000 demandes par an. C'est pas un tsunami non plus. C'est quelque chose qui peut être. Maar van 2015 tot 2017 zijn 3,5 miljoen mensen Europa binnengewandeld. Naar waar gaan die? Die gaan niet naar Portugal. Hè. Portugal is het hoogtepunt van de migratiecrisis 2015. Geen 100 asielaanvragen. Die gaan naar Scandinavië, de Benelux en Duitsland. Waarom? Dat zijn welvaartsstaten met een open sociale zekerheid. Dat is natuurlijk interessant. Ik zou dat ook doen. Dat is zelfs geen verwijt. Ik zou ook vooral naar daar gaan. Daar zijn de sterkste economieën en ze hebben de gulste sociale systemen. Naar waar gaan die in die landen? Naar de steden. De steden van Noordwest-Europa, waar men... We zijn hier in Brussel. Enorme aantallen ziet die niet meer absorbeerbaar, niet meer inpasbaar zijn, waar het begrip leidcultuur op den duur een heel efemeer begrip wordt. Verkokering, apartheid naast elkaar, weinig jobkansen, heel weinig sociale mobiliteit doorheen de generaties. Tweede generatie, derde generatie, vierde generatie. En natuurlijk de bevolking, de autochtone bevolking die daarnaar kijkt en die migratie begint te associëren met problemen, achteruitgang, negativiteit. Okay. Smijt er nog een beetje radicalisme op. Hè? Antimoderniteit vanuit de islam, dat is een strekking binnen de islam, een probleem binnen de islam. Dat is niet de islam, maar een probleem in de islam. Met terreur, ja, dan heb je een explosief mengsel. Laat ons eens een voorbeeld nemen aan landen als Canada, Australië, die dit deftig organiseren en waar men migratie associeert met welvaart, hè? Met toegevoegde waarden. Dat kan ook. Dat zouden wij ook kunnen, maar niet zoals we nu bezig zijn. Jean-Marc Nollet, est-ce qu'on est trop naïf sur l'immigration ? Quel contraste, en tout cas. Moi, la première chose qui me frappe, c'est le contraste entre les témoignages qu'on a eus ici, des gens qui ont une vision ouverte, une vision positive, pas naïve, justement, en la matière, mais qui disent qu'il y a peut-être des travaux qui peuvent être réalisés par ces gens-là, de véritables emplois, l'emploi qui peut être d'ailleurs une manière de les intégrer aussi dans notre société. Quel contraste entre ces témoignages, ces demandes-là éventuelles, et le discours qu'on vient d'entendre ici ? Je ne suis pas surpris qu'avec une telle fermeture, avec la volonté de systématiquement construire des murs plutôt que de bâtir des ponts, on ait des difficultés après sur le marché de l'emploi pour ces gens-là. Évidemment, comment pouvez-vous imaginer un seul instant qu'ils vivent positivement les choses quand ils entendent ce genre de discours de la part du gouvernement ou du principal parti du gouvernement ? Ce que nous disons, c'est qu'il ne faut jamais, et excusez-moi de devoir vous le dire, monsieur De Wever, il ne faut jamais oublier l'histoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ma fille étudie l'histoire. Il y a 75 ans,
nous étions fiers de pouvoir être accueillis dans un autre pays quand les Belges devaient fuir le pays. Vous imaginez que les Syriens ou les Soudanais, souvenez l'affaire du Soudan, vous imaginez que c'est par plaisir qu'ils viennent chez nous. C'est parce que là-bas, ils vivent des conditions telles que les Belges l'ont vécu il y a 75 ans. Et je pense que se rappeler ces éléments-là permet de considérer d'abord et avant tout dans la politique d'immigration un paramètre essentiel, la dignité. La dignité que ce gouvernement n'a pas eue. Heureusement que des citoyens se sont mobilisés pour accueillir les gens au parc Maximilien et dans les familles. Je vais vous dire quelque chose, parce que ça n'a pas été dit dans vos fiches. Je ne sais pas si ça se retrouve dans vos 100 pages. Là. Et moi, j'ai un vécu par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'en parle avec émotion aussi. Mes parents ont accueilli des Laotiens. C'était à l'époque des Boat People. Ils fouillaient le communisme. Je peux vous dire, ça m'a vacciné par rapport au communisme. Je veux vous le dire. Ils m'ont expliqué le vécu de ces gens-là. Mais à ce moment-là, nous étions fiers de les accueillir. En famille, à Moucron. Hein, j'habitais à Moucron. Mon père travaillait à Courtrai. Et notre volonté était de les intégrer au maximum. Et ça a été réalisé. Et aujourd'hui, voir qu'à Moucron, justement, il y a un centre d'accueil, et se dire que c'est dans les mêmes lieux que ces gens-là ont pu trouver. Et aujourd'hui, ce sont quoi? Des infirmiers, des médecins, des gens qui travaillent à la SNCB, des gens qui ont réussi leur vie, réussi leur intégration. Moi, je me donne comme défi collectif de réussir ces choses-là pour ceux qui aujourd'hui viennent non plus en boat people, mais viennent de Syrie, viennent du Soudan. Et je suis honteux, je ne le cache pas, je suis honteux de la politique que Théo Franken a menée en la matière. Collaborer avec un régime dictatorial comme le Soudan, se foutre de la gueule du Premier ministre en trouvant absurde le fait de suspendre le temps de l'examen, ça franchement, ça nous a énormément touchés, nous les écologistes, parce que la dignité, c'est la base de toute politique d'intégration et vous n'avez pas été capable de le faire. Par contre, pour les amis, avec des choses pas très claires, hein, je suppose que vous voyez à quoi je fais allusion, hein, un conseiller communal de ma ligne, pas le mien, pas Christophe évidemment, mais plutôt de votre parti, là, il n'y a pas de problème. Hein. Quand c'est pour les copains et qu'on doit faire dans le borderline et l'illégal, 1502, pas de problème, pas besoin de chèque, on donne tout de suite. Ça ne va pas. Ministre, ça, ce n'est pas une politique. Non, mais permettez-moi de dire sur ce volet-là que ça, ce n'est pas une politique. Idem pour l'enfermement des enfants. Hein. Les conventions internationales sont très claires. On n'enferme pas les enfants, point barre. Et vous avez été capable de relancer quelque chose qui avait été abandonné depuis 2008. C'est honteux sur les enfants. Mais comment pouvez-vous leur dire? Comment pouvez-vous leur justifier ça? Comment allez-vous dire à vos propres enfants, en les regardant dans les yeux, oui, des enfants de votre âge sont aujourd'hui en prison parce que notre gouvernement a installé cette prison-là. Moi, je ne pourrais pas, je vous le dis très sincèrement. Hein. C'est peut-être pas dans vos poches, c'est peut-être pas dans vos fiches, moi, je vous le dis franchement, c'est honteux. Kinderen opsluiten. Maar dat moreel hoogdravend verhaaltje altijd. Uw moral high ground, die moet zo hoog zijn dat ik me af en toe afvraag of je de realiteit nog ziet. Allee, wij, zo schandalig. Wij hebben als N-VA in die Vlaamse regering de inburgeringspolitiek ingevoerd. Toen Franstalig België daar nog de neus voor ophaalde. Dat mocht allemaal niet, verplicht inburgering, schandalig. Je bent 15 jaar later pas gevolgd. De activiteitsgraad in Vlaanderen van die vreemdelingen, niet-Europees, is 54%. Bij u zijn ze 42%. En ik zeg het nog eens, de meesten die eraan komen, verlaten uw gewest om andere en betere oorden op te zoeken. Geef mij alsjeblieft geen lessen in menslievendheid. Menslievendheid is heel mooi. En je wilt iedereen in de wereld helpen die het minder heeft. Ik trek mij dat ook aan. Maar dat is niet de basis om een politiek te doen. Een politicus heeft een andere verantwoordelijkheid. Wij dienen het algemeen belang, niet ons eigen sentiment. En het algemeen belang dicteert dat de oplossing voor miserie in de wereld niet kan zijn dat iedereen zijn valies kan pakken, naar hier kan kopen, die open doen en hier dan medeburger kan worden. Als u spreekt over oorlogsvluchtelingen, en u maakt heel kromme historische vergelijkingen met de oorlog die hier geweest is. Waarom niet? Tijdelijke, en waarom niet? Omdat de meeste mensen die naar Nederland gevlucht zijn binnen de 3 weken terug waren en de rest is ook na het conflict teruggekomen. Als mensen naar Syrië vluchten, komen die niet uit Syrië zelf, het grootste deel is uit Turkije vertrokken, waar ze al jaren zaten. De rijkste landen van de wereld die zijn daar vlak onder. Die ontvangen 0 mensen op. Een aantal arme landen vangt daar mensen op. De rijkste landen van de wereld vangen daar niemand op. Het is natuurlijk als een continent de deuren open zegt. En programma's zoals het uwe volgt, want wat zegt u allemaal? De Dublin-regels, die gaan we niet meer toepassen.
staat letterlijk in uw programma. Economische vluchtelingen die mogen ook asiel aanvragen. Moet niet alleen voor vervolging zijn. U vraagt een statuut voor klimaatvluchtelingen. Tuurlijk, dus dan tuurlijk. Die, als je geen geweld ondervindt en je hebt het economisch niet moeilijk, dan moet je gewoon zeggen, het klimaat was niet meer goed genoeg. Ook daarvoor kunt je dan asiel komen aanvragen in Europa. U voorziet een oriëntatiecentrum voor transitmigranten. Dus zelfs al wilde je geen asiel aanvragen, krijg je nog opvang. Dus dat is eigenlijk het kamp van Calais dat je dan in Brussel wilt gaan organiseren. Sorry, geen terugkeer. Gezinnen mogen niet terug. Ja, dat is gemakkelijk, hè. Kom naar, zie dat je illegaal naar Europa komt en zie dat je een kind bij hebt. Of herken een kind. Of maak een kind. En je zult nooit kunnen teruggestuurd worden. Dat is van een naïviteit. Ja, het is een duidelijk, natie die zijn grenzen niet kan beschermen, standpunten dat is geen natie. Bijzonder. Dat is geen respublica. En het ergste van al is, als je dat volhoudt, dan stort de welvaartsstaat in elkaar. Want u denkt toch echt niet dat mensen die werken en afdragen dat gaan blijven doen als iedereen die zich toevallig tot uw grondgebied kan begeven, mee kan aanschuiven en kan mee beginnen eten. Dat is het einde van de welvaarsstaat. Dat u niet inziet dat u eigenlijk een neoliberale agenda die nu ook open grenzenbeleid, dat duidelijk. Vind ik van de grootste linkse naïviteit die u kunt inbeelden. Het punt is duidelijk. De standpunten liggen heel ver uiteen. Nogal. Toch één ding, meneer De Wever. U bent uit de regering gestapt naar aanleiding van dat... Zeg ik niet waar, zijn? ...pact van Marrakesh. Ben ik daar niet uitgestapt? Ik heb mijn ontslagbrief gekregen. Dat moet u misschien toch... Ik heb zelfs de kans niet gehad. Stadier. Wel, wij vroegen rond dat Marrakesh-verhaal. En wij zijn niet zonder fout, ik geef dat toe. Zo'n internationale teksten, hoe die tot stand komen, dat is eigenlijk nogal verbazend. Dat is bijna ambtelijk, men schrijft zo'n tekst. Iedereen doet mee. We zijn een vrolijke wereld, iedereen doet mee. Nee, niet iedereen doet mee. Migratie, je hebt veel regionale migratiebewegingen, maar in essentie, de globale migratie, die gaat van zuid naar noord. Er zijn drie continenten die ontvangen. Noord-Amerika doet niet mee. Australië doet niet mee. En Europa. Europa doet mee. U ging niet akkoord Europa met dat pact. Zonder Oostenrijk, Italië, Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije, Estland, want die hebben allemaal gezegd, we willen daar niet van. Dus eigenlijk is dat een pact tussen allemaal landen die migranten sturen en enkele West-Europese landen die de illusie hebben van die allemaal te kunnen ontvangen. Hoe naïef kun je eigenlijk zijn? En wij hebben dat te laat opgemerkt, dat is onze fout. Dus hebben wij op een gegeven moment in oktober aan de premier gezegd, dat zal niet gaan voor ons. We willen een onthouding. Men had ons die onthouding kunnen gunnen. We zitten in een rijtje met landen. Okay, maar dat heeft men niet gedaan. We waren niet alleen. Hebben ze er u uitgeduwd? Ja, maar dat bent is dan u de vraag. Als, uitgestapt? Ik heb het zo vaak meegemaakt in de regering dat met name CD&V zei, we willen niet dit, we willen niet dat. Arco, vermogensmissie stonden constant alleen. Altijd was de regel, consensus, en dan gaan we vooruit. Geen consensus, dan gebeurt het niet. De woonsbetredingen voor de illegale migranten, de MR, opgejaagd door links in Wallonië, durft niet meer. We hebben het laten vallen. Er moet consensus zijn. In ieder er was geval, geen consensus. U zit er niet meer in. En plotseling was er dan een grote, in de Kamer geduwd. Een grote Marrakesh-coalitie van 2/3. Helaas heeft die maar een week stand gehouden. Ja. Dat was redelijk voorspelbaar. Maar als ik nog even op dat punt mag doorgaan, meneer De Wever, heeft het er ook mee te maken dat u als politicus de afweging maakt? U zegt sinds 2014 in de peilingen is er eigenlijk langs Vlaamse kant vooral één tendens duidelijk, namelijk dat van uw grote winst dat daar een deel van de stemmen terug is gegaan naar Vlaams Belang. Heeft dat meegespeeld? Das Ware ist das Ganze. Dus moest je nu in de regering hebben gezeten en je krijgt op een heel principieel punt, wij willen een ander Europees migratiebeleid, een tekst te slikken die daar lijnrecht tegenin gaat, is dat bijzonder pijnlijk. Dan is de vraag, gaat je daar uiteindelijk all the way, tot op het punt dat de premier zegt, als je toch doorgoet, is het zonder ons? Dat gaat in een globaal kader beoordeeld worden. Als wij nu nog de indruk hadden dat die regering sociaal-economisch panache had en dat die echt nog een goede degressiviteit van de werkloosheid en een goed arbeidspact en we weten allemaal meer ging realiseren, ja, dan had dat in onze beoordeling meegewogen. Maar we zaten daar op een punt waar er eigenlijk niet veel meer van te verwachten was. De dash was daar echt wel volledig uit. Sommigen zaten op de portbagage. En dan krijg je nog eens een tekst op een van uw kernpunten waar je eigenlijk moet zeggen, we willen naar ginder gaan, maar we gaan nu een aantekening zetten om naar daar te gaan. Ja, dat was er gewoon te veel aan. En dan nog eens, mijn verstand is te klein, waarom men ons dat niet kon gunnen. Een onthouding. Als je weet dat de helft van Europa gewoon gaan lopen is uit dat pact, wat hadden we dan geriskeerd door te zeggen, we onthouden ons? Blijkbaar was het absoluut nodig een soort pointe te maken, een politieke pointe te maken, vanuit de 16 tegen de N-VA. Maar dat vind ik eerlijk gezegd politiek leerlingtovenarij, wat daar gespeeld is. Ik heb een premier gezien, spijtig, maar ik heb er heel goed mee samengewerkt, die in die week totaal de trappers kwijt was. Die regeringsleider en partijleider tegelijk was, ja, dan weet je dat dat slecht afloopt. Je pense que sur ce volet-là, on ne sera pas d'accord parce que
il y a deux visions de société derrière ça. Et ce n'est pas une question de langue ou, ou de nord et de sud du pays, c'est simplement deux visions de société. Une vision où les choses sont fermées, où on se racrapote sur soi-même, où en fait on fait un marketing de la peur. Et puis une vision où on se dit il y a des réalités qui se passent dans le monde et on ne peut pas être aveugle. Vous rigoliez tout à l'heure avec les gens qui sont victimes du dérèglement climatique. Mais aujourd'hui, c'est une réalité pour 2 millions de personnes de par le monde. On ne peut pas fermer les yeux sur ça non plus, d'autant plus que la Flandre, je le redis, n'atteint pas ses objectifs en la matière. Il ne faut pas non plus des deux côtés tirer alors qu'on sait qu'on est responsable, pour partie, mais pour partie quand même, de ça. Vous savez, au Liban, un quart de la population est de population d'origine syrienne, palestinienne et des régions environnantes. Ici, je pense, monsieur de Wever, que vous avez eu votre temps, il faut à différents points de vue d'ailleurs, mais bon, en effet. Et les chiffres qui ont été donnés ici, relativisent quand même fortement. 25% là-bas, les chiffres ici, 0,25%. Alors franchement, faire notre part des choses, oui. Tout accepter, non, évidemment. Mais se mettre, comme vous le proposez, au banc des Nations Unies et être du côté des 5 qui ont voté contre, 5 pays sur 190, vous imaginez ce qu'ils proposaient, 10 qui se sont abstenus. Franchement, c'est une honte. Et je comprends, moi, que Charles Michel ait refusé. Et je comprends que Chris Peeters et les autres aient refusé. Et heureusement qu'il y a encore dans cette Belgique des gens qui, à un moment, acceptent de vous dire basta, c'est de trop. Parce que je pense que se mettre du côté des autorités soudanaises ou des trafiquants, comme ce conseil communal que je ne vais pas citer, de Malines, franchement, moi, je préfère être du côté des Nations Unies 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Als je graag cijfers hebt, Duitsland heeft in 2015, toen ze 1 miljoen mensen hebben binnengelaten, 40 miljard uitgegeven aan opvang. Libanon heeft een bruto binnenlands product van 38 miljard. Die vangen 1,5 miljoen mensen op. Hoeveel hadden we met een fractie van dat Duitse geld kunnen bekomen als men opvang in eigen regio had gefaciliteerd? Wat men nu uiteindelijk heeft beslist, opvang in eigen regio. Dat had ons veel minder gekost en we hadden heel die migratiecrisis niet gehad. Want eerlijk gezegd, je kunt daar heel hoogdravend over doen, maar de mensen in Europa wensen dit niet langer. Ze zijn dat beu gewoon en ze hebben groot gelijk. Juste encore une phrase, parce que pour moi, elle caractérise bien le deux poids deux mesures de ce genre de politique que M. De Wever a défendu et que Théo Franken a réalisé pendant 4 ans. Ils appelaient ça une politique ferme mais humaine. Ferme avec les Soudanais, humaine avec les Catalans. Et ce deux poids deux mesures-là, franchement, moi, je pense que ce n'est pas une solution. Meneer Nollet, laatste vraag over dit onderwerp. We hebben het daarnet al even aangeraakt. Er is een probleem van inburgering, er is een probleem van werk voor veel mensen van allochtone origine. Hoe gaat Ecolo dat aanpakken? Want u zegt, ja, wij willen meer mensen welkom heten. Maar hoe gaat u ervoor zorgen dat die beter geïntegreerd geraken? Bien, je pense que ça commence par une phase d'accueil. Et par un centre, comme on l'a évoqué et que M. De Wever rejette, d'information et d'orientation. On donne le temps aux gens qui fuient la guerre de se poser et d'avoir une vision positive par rapport aux semaines, aux mois à venir. Ensuite, je pense qu'on fait une erreur en concentrant ces gens-là, le temps de l'analyse de leur dossier. L'expérience que moi j'ai, et notamment l'accueil dans les familles, et ce qui a été fait au parc Maximilien, est selon moi la bonne manière de procéder pour une bonne intégration. Bien entendu, à côté, il faut des dispositifs de la communauté française, des dispositifs de l'autorité flamande, des dispositifs à Bruxelles aussi, pour les enfants, à la fois la formation. Et ce que nous avons fait, et notamment, je m'en souviens, j'étais ministre de l'enseignement fondamental à l'époque, c'est l'apprentissage du français comme priorité en la matière. Ils étaient sur notre territoire, je suppose que c'est la même chose en Flandre avec l'apprentissage du flamand. Et ces enfants-là n'avaient encore aucun papier, mais déjà, ils étaient accueillis dans nos écoles. C'est une bonne manière d'intégrer les choses. Parce qu'on le voit bien, il y a même des gens qui sont plutôt favorables aux politiques de Théo Franken, mais quand ils ont dans leur classe, ou dans les classes de leurs enfants, une situation de vécu, eh bien, ils sont quand même attachés, ils sont quand même sensibles. C'est pour moi une bonne manière d'intégrer les choses par les enfants, notamment de ces gens qui fuient la guerre. Et il faut bien se dire qu'un jour, ça pourrait nous arriver aussi. Je ne veux pas faire de l'humour sur la mer du Nord qui va monter et qu'on vous accueillera en Flandre. Il y a déjà des Flamands qui viennent chez nous. Le président du Parlement flamand vient régulièrement chez nous, notamment. Il est toujours le bienvenu. Over één ding zijn we het eens. Je moet op een positieve manier aan de slag gaan met mensen die hier zijn.
Voilà. Moet u we hebben het onvrede gevonden. Over het migratiebeleid. Over één ding zijn we het eens. In wrok tegen mensen, maar dat doen wij ook. Hè. En misschien maar dat zegt toch niks over de migratiepolitiek die je moet voeren? Helemaal niks. Over één ding zijn we het eens. Misschien zijn er nog wel een aantal punten. We gaan toch een poging doen om te zoeken. Hoe zit het met de toekomst? Frederik. Oui, mesdames, messieurs, franchement, moi, je n'ai pas l'impression qu'on avance avec cette idée d'un gouvernement de Wever-Nollet. Mais voyons avec le dernier thème je de peux cette confirmer. Discussion. Parlons un peu de l'avenir, l'avenir de la politique ou l'avenir de ce pays. Et pour l'illustrer, cette fois, qu'une seule statistique qui est selon nous très parlante, c'est-à-dire 541, le nombre de jours que nous avons dû attendre la formation d'un gouvernement en 2010-2011, jusqu'à ce jour, un record mondial. Et évidemment, on a demandé l'avis de nos lecteurs et lectrices sur ce sujet. À ce moment. Ik denk dat het regeringsbeleid van de laatste vijf jaar de juiste intenties had. Ik denk dat er ook heel veel aandacht is gegaan aan competitief voordeel terug te creëren. Ik denk dat er goede eerste stappen gezet zijn. Het moet effectief voortgaan, want als je geen structureel volgehouden inspanningen gaat doen, dan krijg je ook niet de noodzakelijke verandering op gang. Notre monde politique dans sa stratosphère, oui, il y a des combats, des débats qui n'intéressent plus fondamentalement les jeunes, soyons clairs. Ce qu'ils veulent voir, c'est de la vision. Si après les élections, on se retrouve de nouveau dans un schéma où on négocie des petits bouts de machin, de trucs bazar ici qui n'avancent pas, et qu'on se donne encore cette magnifique réputation mondiale, oh la Belgique, c'est le pays qui parvient à tenir des centaines de jours sans gouvernement, bravo, parce que franchement, quand on voyage, on entend ça partout, ça ne va certainement pas favoriser le respect des citoyens et du monde extérieur vis-à-vis de la classe politique belge. Meneer De Wever, 541 dagen zonder regering hebben we ooit gezeten. We zijn al aan het tellen. Als u terug het communautaire op tafel legt, is het misschien weer van dat? Ik was er toen wel maar 300 dagen bij. Ze hebben nog 200 dagen nodig gehad nadat ik weg was om een regering te maken. Dat wil om te zeggen dat het echt wel ingewikkeld geworden is in dit land, met of zonder N-VA, door de aard der dingen. U zegt, dit zijn geen twee democratieën, dat moet u toch eens uitleggen. Je hebt twee verschillende partijpolitieke landschappen, twee perslandschappen, twee publieke opinies. Dat is waar, bijvoorbeeld. We komen elkaar tegen, meneer Nolle, in het parlement, af en toe toch eens, komen we elkaar tegen. Maar dat is het dan zo ongeveer. Is zoiets mogelijk, is zoiets werkbaar? Ja, we doen dat in Europa ook, op basis van een verdrag. Dat is niet gemakkelijk, maar dat kan werken, want als je schaalvoordelen hebt, kun je best samenwerken. Als uw heterogeniteit niet te groot is. Dat is het probleem van België. De schaal is niet groot, maar de heterogeniteit is des te groter. Als ik zie wat als de peilingen enige verband hebben met de realiteit. En je ziet daar nu zelfs een communistische partij die terug heel wat zetels gaat halen. Ja, het is toch zo. Een groene partij, die ik uw programma lees, eigenlijk niet veel afwijkt van die communistische partij. En de PS, die daar eigenlijk ook wel vlak tegen zit. En samen halen die ja, tegen de 75%. En je stelt dan de vraag, hoe telt je dat op met een Vlaanderen met een totaal ander politiek landschap? Ja, dan moet ik het antwoord ook schuldig blijven. Mijn strategie, ik wil er geen geheim van maken. We hebben natuurlijk geleerd hè, uit die lange crisis. Ik ben er ook geen vragende partij zijn om nog eens een jaar in een kasteel te gaan zitten met, ja, enfin, ik ga geen namen noemen, met mensen, om vast te stellen dat je het over niets eens bent, dat die ene van Venus komt, de andere van Mars. Dat is geen verwijt, maar het is zo. Die brug die gaan we nooit bouwen. Ik wil dus, zoals we in 2014 hebben gedaan, gezegd van bon, eigenlijk Vlaams beleid, centrumrechtsbeleid, beleid zoals mijn democratie het wenst, als we dat kunnen leveren, zo snel mogelijk op het tapijt brengen. Lukt dat niet, ja, dan gaan we een structurele oplossing moeten hebben om meneer Nollet de kans te geven om zijn gemeenschap te besturen zoals hij dat wil, met al die belastingen en al die maatregelen en die open grenzen. Doe maar op, hè. Alleen, je mag de factuur niet naar mij sturen, want ik wil die niet betalen, eerlijk gezegd. Mijn kiezer ook niet. On va évidemment vous laisser réagir. Mais tout d'abord, pour être tout à fait pour prolonger sur ce point, Bart De Wever, votre intime conviction, ce pays a-t-il encore, oui ou non, un avenir, selon vous? Ja, natuurlijk. Ja, zonder enige twijfel. Als wij zeggen confederalisme, menen wij dat ook. Hè? Ik zeg het, we hebben heel veel geleerd afgelopen decennium over wat we precies willen bereiken. Ook het Europa van morgen is niet meer zo klaar en duidelijk. 10 jaar geleden was mijn visie scherper, omdat ik dacht, Europa gaat effectief grootschalige competenties naar zich toezagen. Ik zou dat vandaag niet meer zo zeker durven zeggen.
En dus dat confederalisme moet een eerlijke kans krijgen. Wij voorzien daarin ook solidariteit. Het gaat niet over de transfers, het gaat over de manier waarop er wordt getransfereerd. Over expliciet van solidariteit, doelmatig, wederkerigheid, voorwaardelijkheid. Als we dat kunnen inbouwen in het systeem, dan willen wij dat een eerlijke kans geven. Natuurlijk, wat is de zwakte van mijn discours? Ik heb geen 2/3 meerderheid, ik heb die nodig. Het land is op slot gezet en in elke taalgroep. Tenzij dat hij zegt, we zijn echt één democratie, dan is het one man, one vote. Schaffen we de pariteit af in de regering en die dubbele meerderheden kunnen allemaal weg. Het is one man, we zijn allemaal samen terug Belg. Dan is het iets gemakkelijker om beslissingen. Ik zie hem al nee knikken. Ja, hè? Je moet soms walk the walk, don't talk the talk. Maar als dat niet kan, ja, dan gaat het toch vroeg of laat constitutioneel er is moeten doorgeraken. Dus er zijn twee wegen. Oftewel kunnen we verder zetten wat we nu doen, maar met meer ambitie. Want je hebt me veel kritiek gegeven en je hebt niet volledig ongelijk. Oftewel moet er iets anders komen. Maar wat ik niet ga doen, en meneer Nollet ook niet als ik zijn interviews lees, is met hem een gewone regering maken, een compromis maken tussen Mars en Venus en dan aan mijn kiezers zeggen, ja, trek er toch een beetje op. Het zal er niet op trekken. Hè? Het zal er niet op trekken. Dus dat gaan we niet doen. En ik hoop dat hij dat ook niet gaat doen. Meneer Nollet, twee democratieën. D'accord ou pas d'accord? Non, pas d'accord. Ça, c'est le mantra de Bart De Wever depuis qu'il existe en politique. Et je pense que ça le suivra jusqu'à sa tombe politique, puisque c'est sa ligne qui la gardera. Je pense, et je l'ai en partie démontré, et on continuera à le faire, que l'enjeu et le problème, ce n'est pas deux démocraties. L'enjeu, c'est de voir quel avenir on veut donner au pays. Et là, effectivement, il y a deux modèles fondamentalement différents. Je suis d'accord sur ce point de vue-là. Il y a le modèle Brexit. Confédéralisme, on voit où ça mène aussi. On voit où ça mène aussi. Regardez combien de temps eux sont en train de passer. Peut-être qu'ils vont battre le record de la Belgique. On ne sait jamais. Et puis, il y a le modèle qui n'est pas facile. Je l'admets. Ce n'est pas évident tous les jours, bien entendu. Mais qui donne un avenir aux Belges. Parce que la plupart des Belges croient en ce pays. Nous croyons, nous, que ce pays a un avenir et qu'il ne sera pas la division du pays avec l'oubli de Bruxelles. Nous pensons, par exemple, pour Bruxelles, que le développement de l'enseignement bilingue à Bruxelles est une des solutions pour renforcer la Belgique. Nous pensons, par exemple, et nous proposons qu'une circonscription fédérale où les gens pourraient voter pour vous au sud du pays, pour autant qu'il y en ait qui veuillent vraiment, intéressant. Christophe Calvo au sud du pays également, pour Zakia Katabi au nord du pays, qui sait, pourquoi pas. Pourquoi refuser d'aller se confronter sur un projet d'ensemble face à l'autre communauté? La circonscription fédérale que nous portons, heureusement, on a obtenu que cet article-là de la Constitution est ouvert. Je suis pas contre. Pourrait être... Je suis pas contre. Donc vous êtes même favorable. Hein, faites un pas de plus. Si on biffe tous les doubles majorités, la parité dans le gouvernement, fédérale on a un accord sur la fédérale kieskring is goed voor u als één man, één stem. Voilà, au moins on avance. Je kunt niet van twee walletjes eten. Ja, maar gaat je dan de pariteit in de regering? Als we allemaal Belgen zijn, en Vlamingen en Franstaligen, ik lees in uw programma dat het verschil is achterhaald, staat letterlijk in uw programma, dan is toch one man, one vote. Dan gaan we toch geen pariteit niet meer doen in de regering en geen dubbele meerderheden. Akkoord of niet? Je pense Waarom hebben we dan eigenlijk nog een Brussels gewest nodig? Allez. Mag een keer een stadsbestuur van? Ne faites pas les questions et les réponses. In Antwerpen marcheert dat. C'est un peu facile. Meneer Nollet, u mag antwoorden. Si on va vers une circonscription fédérale et qu'on a vers d'autres mécanismes pour ce qui nous concerne, on peut discuter de beaucoup de choses, évidemment. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de donner un avenir sur le contenu à ce pays aussi. Et pour ce qui nous concerne, la transition écologique sera au cœur du projet. Pourquoi? Parce qu'elle est absolument nécessaire, mais surtout parce qu'elle est bénéfique. 2% de croissance en plus, c'est ce que votre propre administration a donné comme résultat. 80 000 emplois en plus de ce qui doit être créé. L'économie circulaire est aussi un de nos projets. Donner un avenir, ce n'est pas que parler d'institutions. Mais parler d'institutions, c'est de se dire qu'on doit construire des ponts plutôt que de construire des murs. Et à ce moment-là, tout est possible, évidemment, y compris par rapport aux différents gouvernements, y compris par rapport aux minorités, y compris par rapport à la périphérie. Je suppose aussi qu'on pourra tous être à son aise, alors que pour l'instant, par moment, en tout cas, il y a des difficultés. Je crois, monsieur De Wever, qu'à force de vous braquer, à force de rester sur votre schéma idéal ou votre rêve de deux démocraties, plus rien n'avance. Et moi, je voudrais sortir de cette crise potentielle que vous évoquez après les élections, avec un projet et avec un contenu qui donne envie, avec quelque chose qui est positif, avec quelque chose qui, pour les jeunes qui sont dans la rue, est aussi une réponse. Parce que pour l'instant, un seul parti est en train de tout bloquer. On l'a vu tout à l'heure, ils sont très contents, ils ne sont pas venus et ils arrivent à bloquer la situation. Non, je crois, moi, que la prochaine déclaration de politique gouvernementale fédérale sera essentielle
pour que dans les 10 ans à venir, il y ait un réel projet Belgique. C'est en tout cas ce que Ecolo et Groen souhaitent. Et nous le travaillons ensemble, et je le redis, ce n'est pas toujours évident, mais au moins derrière ça, il y a une perspective positive qui ne soit pas celle du Brexit à la flamande. Est-ce que vous connaissez un pays avec une circonscription fédérale, un pays fédéral? Je ne connais aucun. Est-ce que vous connaissez un? Mais on peut tout à fait imaginer. Est-ce que vous connaissez un? Un toekomstproject van 10 jaar. Ça n'existe pas parce que c'est pour des pays unitaires. Il faut bien l'un pour l'autre. En als u een unitair land wil zijn... Vous étiez pour il y a 5 minutes. Meneer de Wever, il y a 5 minutes, maintenant vous êtes déjà con. Wat belet u om luister neer te leggen? Je n'ai même pas dû attendre 5 ans. Ik hou u toch niet tegen? Kunt jij toch overal opkomen? Wat is het probleem eigenlijk? Mais vous étiez pour il y a 5 minutes. Een kieskring maakt geen democratie, meneer Nollet. Een democratie maakt geen kieskring. Vous étiez pour il y a 5 minutes. En dan moet je mij niet beschuldigen dat ik allerlei dromen heb van abstracte dingen. Vous étiez favorable il y a 5 minutes ou pas? Vous y étiez favorable. In het context van one man, one vote. À la circonscription. Jij een Franstalige meerderheid kunt mobiliseren. Als jij een Franstalige meerderheid kunt mobiliseren voor one man, one vote in een unitaire kieskring, ah, wel, dat doe ik mee. We zullen elkaar niet erop terugzien, denk ik. C'est quand même incroyable la capacité qu'il a à se renier en si peu de temps. We weten wel waarom dit land geconstrueerd is om geblokkeerd te kunnen worden. Dat hangt niet af van je partij. Meneer Nollet heeft ook iets anders gezegd. Hij zei, kijk, wij willen een positief project van 10 jaar... voor dit land uitzetten met de energietransitie onder andere en klimaat. We willen terug de mensen zin geven in iets positiefs. Stel dat jullie, en het is niet helemaal onwaarschijnlijk, op 26 mei allebei winnaar zijn. Gaat u dan met Ecolo en met meneer Nollet praten over dat positief project? Nee, daar is geen sprake van. Enfin, als je dat programma leest, dat is voor mij geen positief project. Ik heb u gezegd, ik heb Antwerpen 7 jaar bestuurd. Kijk naar de evolutie van de cijfers. Wij stonden vorig jaar in de Financial Times als een van de topsteden om in te investeren. Wij trekken terug grassroots investeringen aan in de petrochemie. De partij van meneer Nollet, Groen. Ik moet mij verontschuldigen in de gemeenteraad. Ik heb een investering van 3 miljard. Ik moet me uitgebreid verontschuldigen. Hoe durf ik van zo'n bedrijf nog aan te trekken vandaag? Een cracker die in Europa wordt gebouwd. Ten eerste in 20 jaar. Dus kijk naar mijn cijfers. 10 jaar ecolo-bestuur in het gewest Brussel, kijk naar die cijfers. Dat kan je niet optellen. Ik ga niet meestappen in een regering die de grenzen openzet, die een belastingtsunami loslaat en die klimaat misbruikt om een economisch krimpmodel aan de mensen op te leggen en een eigen schuldgevoel hun eigen welvaart doet afgeven. Ik doe er niet aan mee. Wij zijn voor een beleid dat de competitiviteit versterkt, dat eco-realistisch is en dat ook realistisch is in de migratiekeuzes die wij maken. Als we daar partners voor vinden, dan willen wij binnen de 5 minuten vertrekken in een regering, liefst met een hoger ambitieniveau dan de huidige, die goed is geweest wat mij betreft, maar niet goed genoeg. Daar hebt u gelijk in. De kiezer zal oordelen welke kaarten er liggen en wie bereid is, wie de moed heeft om ze op te rapen. Eenvoudig zal het niet zijn, maar het zal alleszins minder moeilijk zijn dan dat wij, want hij brengt natuurlijk de pees gratis mee. Hè. Je moet je geen illusie maken, hè. Dat is hij wordt dan premier, met hem en Elio in de regering, in geen 1000 jaar. Echt waar. Pardon, on va demander à Jean-Marc Nollet de s'exprimer. Vous avez déjà aussi au sein d'Ecolo plusieurs fois dit pas question de négocier, de se mettre à la table des négociations avec la NVA le moment venu. Vous maintenez, ça reste un truc impossible? Non, mais votre point... Oui, mais il a fermé le débat. Hein. Mais je suis un parti brun, selon vous. Un parti brun, vous le dites dans vos interviews, un parti brun. Je sais qu'en Flandre et que le gouvernement fédéral, vous arrivez toujours à faire taire les autres. Est-ce que vous répétez ça devant moi, un parti brun? Meneer Nollet heeft... On va d'abord revenir sur le point de... Un parti brun. Meneer Nollet heeft... Je sta nu voor mij. Ben ik een bruine politicus? Ben ik een bruine politicus? Est-ce que vous lui permettez de poser encore une question? Ou est-ce que vous faites les questions, les réponses et la fin du débat en même temps? Dan is het interessant, hè? Meneer Nollet, on m'a donc demandé si pour nous c'était quelque chose d'envisageable. Je vais vous répondre plus complètement alors que ce que j'ai pu vous dire ici, parce que pour moi le débat est clos avec la réponse de M. De Wever. Mais oublions quelques instants qu'il ait répondu à cette question. Il y a des choses qui sont désirables, il y a des choses qui sont souhaitables, dans la vie comme dans la politique. Pour ce qui nous concerne, ce que je désire vraiment, ce que nous désirons vraiment, c'est effectivement de travailler main dans la main avec Groen. C'est une de nos forces et c'est une de nos manières, de nos capacités aussi de mieux anticiper les problèmes, en comprenant mieux la situation de l'autre partie du pays. Oui, ça c'est désirable, ça c'est souhaitable. Il y a des choses qui sont négociables. Il nous faudra trouver un accord de gouvernement, il nous faudra trouver des partenaires, c'est évident. Et de ce point de vue-là, on devra faire des compromis, c'est clair, on le sait. Mais il y a des choses qui sont impensables.
Et c'est ce que vous avez proposé. À partir du moment où la réponse est celle-là, à partir du moment où, sur le fond, il y a de telles divergences, il y a des choses qui sont effectivement impensables. Alors, et je préfère être clair par rapport à ça, pour ne pas perdre 541 jours au cas où, après les élections, certains imaginent... Alors, clarifions aussi un autre point. Est-ce que vous faites une exclusive ou est-ce que vous êtes partant avec un parti comme le PTB, par exemple? Enfin, je vous ai dit combien j'étais vacciné par rapport aux communistes tantôt. Vous pensez que c'est la solution? Moi, pas. Mais non, mais moi, je préfère être clair par rapport à ça. Ni NVA, ni PTB, c'est ça. On l'a vu au communal aussi. À aucun moment, ils n'ont vraiment voulu et vraiment cherché une solution. Ça ne sert à rien de perdre son temps non plus. Si on veut éviter la crise de 541 jours, travaillons sur un projet, travaillons sur du contenu avec des gens qui en veulent, qui veulent donner un avenir à ce pays, et il y en a. Et il y en a suffisamment, et je suis persuadé que les électeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous regarderont ou qui nous entendront encore pendant le reste de la campagne, sont davantage du côté de l'avenir à offrir et de la modernité qu'on peut donner à ce projet et à ce pays que du côté rétrograde de ceux qui s'enferment dans l'histoire. Alors je sais que ça prendra du temps, je sais que ça prendra du temps. Et permettez-moi juste de dire, Rome ne s'est pas construite en un jour, c'est évident. Mais si nous avons cette possibilité-là, si nous sommes la première famille politique, nous ne raterons pas l'occasion pour effectivement donner un avenir à ce pays. Ok. Dank u. Ja. Meneer De Wever, u riskeert wel om vrij alleen te staan, want heel veel mensen hebben al gezegd, niet met N-VA. Maar je bent nooit minder alleen als dat je helemaal alleen staat in de politiek. Dat is al een wet die Kikker al kende. Nun quam minus solus, cum quam solum. Als je alleen staat, dan zet je pas met veel. En we zullen wel zien, hè, wie de grootste politieke familie is. Want ik heb goed geluisterd. Hij zegt, ik wou wel met de PTB gaan, maar die wilde niet. Ze wilden niet, non pas voulu. Ze waren niet wenselijk. Ik ben tegen communisten. Nee, enfin, ze wilden je niet. Dit, je l'ai dit par ma propre expérience. U bent ermee gaan praten. Vous voulez pas l'entendre. Wat zegt u bij herhaling in interviews? Ik heb ze allemaal gelezen. N-VA est un parti brun. Ik heb dat goed begrepen. U herhaalt het niet in mijn gezicht. Dat is heel vriendelijk van u. Brun. Dat is heel duidelijk. Dus dat is een kolom sanitaire rond de grootste partij van Vlaanderen. Laat ons dus inderdaad geen 500 dagen verliezen. Laat ons geen seconde verliezen. Ik hoop dat de uitslag van die aard is dat ik u niet moet komen lastigvallen. Eventjes na 26 mei. We hebben heel uitgebreid kunnen antwoorden op sommige vragen. Mekaar toch niet altijd begrepen, denk ik. Maar een heel kort antwoord. Wie volgens u gaat op 1 januari 2020 de premier van dit land zijn? Jan Bon. Wie volgens u gaat op 1 januari 2020 de premier van dit land zijn? Een groene, een vert. En wie zal dat zijn? We zullen zien. Er zijn verschillende kandidaten. Il va falloir se battre, alors, à un moment donné, c'est ça? Non, non, c'est pas du tout l'objectif chez nous. Ça peut être une femme aussi, ça peut être un homme, on verra bien. Ok, goed. Jan Jambon. Ce serait beau, hein? Jan Jambon, of een groene, een écolo, een groene, een vrouw, een man. We zullen het zien. Goed. Misschien als laatste vraag. Het was een vrij pittig duel. We zijn 55 dagen voor de verkiezingen. U heeft hier de verkiezingen afgetrapt. Redelijk stevig erin gevlogen. Hoe gaat u dat eigenlijk 55 dagen volhouden? Heeft u voor meneer De Wever nog een tip om dat vol te houden tot 26 mei? Je vais lui proposer de prendre un peu de temps pour lui. D'être moins braqué dans des choses qu'il a l'habitude de dire et de répéter, et de s'ouvrir de temps en temps au fait qu'il y a d'autres perspectives dans ce monde que celui que lui envisage et qui se racrapote de plus en plus. Alors je sais que le populisme a de l'avenir. Je connaissais le De Wever nationaliste, parce qu'en 2010, on était par moments aussi autour de la table. Je sais qu'il y a des combats qui, en Flandre, sont importants, et il y a des blessures de l'histoire que je comprends. Je vous l'ai dit. Ma fille a étudié en Flandre, l'histoire, justement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette incapacité à se tourner vers la modernité et être avec un message positif pour la Belgique. Okay. Et ça, c'est mon conseil à lui. Et s'il a besoin, qu'il aille un peu recourir. Et ça fera du bien aussi, voilà. Me gratis advies. En heeft u advies pour meneer Nollet? Votre fille, elle étudie l'histoire à Gand. Est-ce qu'elle est chez mon frère? Pardon? Est-ce qu'elle est chez non, mon frère? Non, elle n'a pas eu. Parce que, si c'était le cas, j'ai un avis pour vous. Mais bon. Donc, quel est votre conseil pour Jean-Marc Nollet? Parce qu'il faut. J'ai vu qu'il est un grand sportif, qu'il fait le jogging. Vous faites combien de kilomètres? 10-12. Oh, je vous invite à courir avec moi le marathon d'Anvers fin avril. Je vois, on a trouvé un point commun, une possibilité de point commun. Fantastique. Yeah. OK.
Heren, dank u wel. Merci beaucoup, messieurs. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour Jean-Marc Nollet et Bart De Wever. Merci. Dank u. Zo eindigt de avond toch nog met een handdruk. Mesdames, messieurs, puis-je, à part des applaudissements pour Bart De Wever et Monsieur Nollet, aussi demander vos applaudissements pour les deux modérateurs de ce soir, Isabelle Albert et Paul Gérard. Merci. Mesdames, messieurs, merci pour votre présence, pour votre attention, pour le fait que je n'ai pas vu des chaussures circuler dans la salle. Mesdames, messieurs, il nous reste encore 75 000 minutes avant l'ouverture des bureaux de vote. Donc, plus que assez de temps pour vous informer. Vous avez sans doute où vous pouvez faire cela d'une manière objective et pertinente. Puis-je vous demander que vous rendez en sortant de la salle les casques. Il y a des hôtesses qui sont là pour les accueillir. Tijd en Echo blijven de volgende maanden uiteraard de politieke gebeurtenis op de voet volgen. Ik heb geen van de gladiatoren van vanavond horen zeggen dat er een extra tax komt op wijn en bier. Dus nodig ik u graag uit om daar alvast nog even van te profiteren. Ik had niet de indruk, dames en heren, dat de hashtag De Wever Nollet, dat die ook de komende maanden nog ophang zal maken als de naam van de nieuwe regering. Maar dat hangt uiteindelijk, om een politiek statement te gebruiken, van de kiezer af. Dank u wel, merci et à bientôt.